Bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle, l'émission qui parle avec nous ce soir. Bruce Willis, Christine Scott-Thomas, Emmanuel Béard, Patrick Timsit, le porte-parole de l'État d'Israël, Christine de Viejoncourt, champion du monde de boxe, son père a voulu tuer De Gaulle, Benjamin Biolay, Victoire de la musique, le blind test de RLP avec la bande d'énergie et mon ami Laurent Baffi. Laurent Baffi. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Merci, bonsoir. Calmez-vous, gardez-en un peu pour Bruce Willis. Alors, comment ça va, Lolo ? Très bien. J'ai pas reçu de vannes parce que les gens ne m'ont pas envoyé. Alors, je rappelle l'adresse. Il faut m'envoyer des vannes à Laurent Baffi, attaché, at, et là, on n'a pas le droit de dire le serveur. Donc, tapez n'importe quel serveur qui commence par, non, qui commence par un N. Il n'y en a pas 50. Je crois que ça se termine par en plus. Bon. Et moi, je vais recevoir les trucs sans faire de la pub. Voilà, voilà, d'accord. Et après, je dirai les meilleures vannes. Et qu'est-ce qu'on gagne, c'est tout ? Tu dis les meilleures vannes à l'antenne ? Bah, on gagne que moi, je vais me reposer un peu, tu vois, ça va me détendre, moi. C'est vrai, c'est moi qui vais gagner, surtout. Et maintenant, voici Bruce Willis. Félix, bonsoir. 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 Merci d'avoir choisi Tout le monde en parle. Nous sommes très heureux que vous soyez là ce soir. Je vous en prie. Est-ce que vous, vous êtes heureux à Paris? Yes, very happy. Oui, super, super heureux. I love Paris. J'adore Paris. I always love coming here. J'aime toujours venir ici. People are always very friendly. Les gens sont toujours très sympas avec moi. I could live here. Et donc, je pourrais habiter ici. Je,
Je connais l'hôtel, l'hôtel où vous êtes installé, Bruce, c'est un très bon hôtel. Ah, vous connaissez l'hôtel? À Saint-Ouen, non? Oui, c'est pas mal. C'est un très bon hôtel, très bien situé, bonne cuisine. Voilà. Et alors, comment ça va avec les Parisiennes? Slowly, going very slowly. Tout doux, vraiment tout doux, là, malheureusement. Oui. Yeah. Qu'est-ce que vous faites après l'émission? Moi, je connais des endroits, si vous voulez, je peux vous amener après l'émission. Good, all right. OK. Est-ce que vous pourriez vivre en France, Bruce? Yes, oui, sans aucun doute. Je pourrais habiter à Paris, sure. Sans aucun doute. À Limoges? J'adore Limoges? Paris. Limoges, non. You know Limoges, Bruce? Limoges, Saint-Tropez. Ah ouais, not Limoges. Non. Space. Vous apprendriez le français si vous habitiez en France? Yes, oui. Je parlais solo un peu bien, français. Bien, bien. Yes. Vous parlez ici, bien. À donde está la Tour Eiffel? Alors, si Bruce Willis habitait en France, il pourrait faire des films avec Laurent Baffy, he's a director. That's right. I gave you my movie. Yeah. Yeah. I gave you a card? Vous avez une carte? Non, I have my movie. Okay, good. Assistant, mon film. It's true, c'est vrai. Bien, alors de toute façon, Bruce Willis n'a rien contre les réalisateurs français, puisque vous avez fait le cinquième élément avec Luc Besson, et que votre nouveau film, Otage, est réalisé par Florent Siri. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Florent Siri. Vous êtes l'auteur de Need Gap, sorti en 2002 avec Benoît Magimel, Samy Nasseri, Nadia Farès, qui est venu d'ailleurs ici pour en parler. Et ce film, Need Gap, Bruce Willis l'a vu à l'American Film Market, voilà. Et il a été intéressé par votre travail. Comment s'est passée votre première rencontre? Really well. Ça s'est really très well, bien yeah. passé, vraiment bien passé. Il m'a appelé tout simplement, il m'a laissé un message sur mon répondeur, je l'ai rappelé, on s'est vu à Los Angeles, et puis voilà. Ça doit faire un drôle d'effet quand même, non? Bah ouais, surtout quand on est fan de films américains, ouais. Et de Bruce Willis en particulier. Moi, j'ai grandi avec Bruce Willis. Ouais. Voilà, donc c'était super pour moi. Alors, Bruce a vu également votre premier film qui s'appelle Une minute de silence, ouais. Qui est consacré aux mineurs à la frontière franco-allemande. Et il vous a dit, je suis comme toi, on vient du même milieu. Ouais. I'm from South Jersey. Oui, moi, je viens de New Jersey. C'est similar. Là aussi, c'est une région tout à fait similaire. Il y a aussi beaucoup d'usines, beaucoup de travailleurs, d'employés, d'ouvriers. Oui, puis vous êtes né en Allemagne. Quand vous étiez petit, votre père était mécanicien sur une base américaine en Allemagne. Donc, vous avez connu la vie... Hein, c'est ça? Ouais, vous savez ça, oui, absolument, c'est vrai. Tout. Ouais. Alors voilà, quelques mois plus tard, Florent, vous avez reçu le scénario de Otage. 15 jours plus tard, vous étiez en train de travailler à Hollywood. Paramount ne voulait pas un réalisateur dont ça soit le premier film américain. Et à ce moment-là, Bruce Willis vous a soutenu. C'est-à-dire qu'il a dit à Paramount, ben non, si vous ne voulez pas de Florence Siri, tant pis pour vous. Et il a récolté, comme ça, sur quelques coups de téléphone, 53 millions de dollars. Pas mal. Il a des copains qui sont riches. Ouais. Non, pas mal. On fait des clés de bagnole. Hein. Ouais. Non mais c'est sérieusement, c'est très courageux de votre part parce que il y a des gens à votre place qui auraient dit tant pis, je choisis Paramount et je laisse tomber Florent Siri. Non, moi ce qui m'intéressait c'était plutôt Florent plutôt que la Paramount. Bien. Yeah. Studios come and go, but les studios, bon, ça va, ça vient, like, mais des types comme Florent, croyez-moi, c'est plus rare. Alors, ça doit être super impressionnant quand même de diriger un mythe américain vivant, c'est John Wayne. Voilà, pour Bruce moi Willis. C'était un peu ça, ouais. Oui, c'était faire mon premier film américain avec Bruce Willis, c'était un peu, pour moi, diriger dans ma tête John Wayne, puisqu'il a un peu cette image. I know you prefer Richard Mitchum, Robert Mitchum. But, Mitchum, exactly. Il préfère qui? Robert Mitchum. Ah, c'est pas mal aussi, oui, on pourrait dire ça, oui. Alors l'histoire, c'est un ancien négociateur qui a quitté le métier après une prise d'otage qui a mal tourné. Il est devenu flic dans une ville tranquille et il va avoir à gérer une nouvelle prise d'otage, plus une deuxième prise d'otage simultanée
dont sont victimes sa femme et sa fille. Voilà, donc c'est une prise d'otage dans la prise d'otage. C'est un scénario assez sophistiqué, assez haletant. C'est du vrai cinéma du samedi soir. Tu l'as vu, Laurent, c'est ouais. bien. Hein ouais, j'ai beaucoup aimé ce film. Un vrai, vrai film d'action. Mm. Un début assez hard, parce qu'il y a quand même une mort d'enfant. Il faut passer ce cap stressant. Mm-hmm. Et c'est très bien écrit et très, très bien filmé. Merci. Et très, très bien joué. Enfin, c'est un modèle du genre pour moi. Voilà, c'est bien. Oui, oui. Ouais, c'était un peu le film américain que j'avais envie de voir, le film d'action américain que j'avais envie de voir. Je n'avais pas vu depuis longtemps parce que je trouvais que les films d'action américains étaient un peu formatés. Et celui-là retournait un peu aux sources du genre avec des vrais parcours de personnages. Alors on va voir à quoi ça ressemble. Ouais. Vous allez regarder tous les deux votre caméra et vous allez dire Magneto Serge. One, two, three. Magneto Serge. How we go? Good. Vous en êtes bien sortis? Monsieur Tali, tu vas nous sauver? Je vais vous sauver. Jeff, il faut qu'on essaie de sauver le gosse, on n'a pas le choix. Ah, merde! Oh Seigneur, en cette fin de journée, béni soit la Sainte Vierge, ma divine mère, prends-moi sous ta protection. Non! Je pense que je suis en retard. Et si on disait lundi, pas de délit, suivi par... Mardi, pas de délit. Tommy, qu'est-ce que... Ici l'officier Flores de la police de Bristol Camino. Merde! L'alarme silencieuse a été déclenchée. Jeff Talley, est-ce qu'on va s'en sortir? Bonne chance. Je suis plus sur le coup, le shérif a repris l'affaire. C'est pas de ta faute si elle est morte, Jeff. On a un problème. On doit reprendre le contrôle de cette situation. Je veux que vous retourniez chez Walter Smith ce soir. Il y a un DVD dans sa maison qui m'appartient. Si vous ne faites pas exactement ce que je vous ordonne, je tuerai votre famille. Vous n'avez plus le commandement. Je le reprends. Tu ne voudrais pas avoir un autre enfant mort sur la conscience. Tommy, j'ai besoin de ton aide. Tommy, réponds-moi. Sauvez mes enfants. Voilà, Otage de Florence Siri avec Bruce Willis. Alors voilà, réalisation impeccable, des personnages très nouveaux, avec des personnages de méchants très nouveaux, parce qu'au lieu de prendre des mecs comme ça, là c'est plutôt des jeunes un peu white trash, quoi. Exactement. Donc c'est très moderne. Ça s'est bien passé avec Bruce, il a été docile. Super, vraiment, j'ai rien à dire. Ça a été d'abord une superbe, comment dirais-je, rencontre. Mais plus qu'une rencontre, c'est devenu un ami. C'est quelqu'un de très ouvert, très simple. Il m'a vraiment laissé faire le film que je voulais faire. Alors, c'est ce qui était important. C'est vrai qu'un jour, vous l'avez un peu poussé dans ses retranchements. Et il vous a dit, tu sais, Florent, j'ai fait 50 films. Et vous lui aurez répondu, moi, j'en retiens que 4. C'est pas tout à fait. Non. It's a good story, though. Non, c'est une bonne histoire, mais c'est pas la vérité. No, we got along really well. Non, en fait, on s'est vraiment très bien entendu. Alors, la fille de Bruce Willis, Rummer Willis, joue dans le film. Est-ce que vous pensez qu'elle va faire une carrière? Oui, moi, je suis sûr qu'elle va faire une carrière, mais. Vous êtes content de votre fille dans ce film? Oui, elle veut en tout cas faire carrière. Yeah, she did a great job in this film. Elle a vraiment été super dans le film. Comme j'étais producteur du film, je lui ai fait faire une audition et donc elle est venue, elle a rencontré Florent et donc c'est elle qui a remporté le rôle. Mais bon, c'est toujours une gamine et si elle veut vraiment faire carrière, devenir actrice, eh bien je l'aiderai. Ouais. Alors, règle absolue, vos enfants n'ont le droit de faire du cinéma que si vous ou Demi Moore jouez dans le film. Quoi. Ils n'ont pas le droit de faire des films sans vous. Oui, effectivement, ils peuvent travailler avec leur père ou avec leur mère. Et pour nous, ça nous permet de les maintenir enfants.
they get a big kick out of it. They, mais bon, ils se sont vraiment éclatés en faisant ça. Et ils grandissent beaucoup en faisant ça pendant les tournages, que ce soit avec leur mère ou avec moi d'ailleurs. Alors l'impression que vous donnez, en tous les cas, avec Demi Moore, vous êtes séparés, mais l'impression que vous donnez, c'est d'arriver à préserver très bien vos enfants. On n'a pas l'impression qu'ils souffrent de ça. Merci. We're still friends. Oui, effectivement, on est toujours amis avec Demi, on est vraiment de très bons amis. Et donc, quand on s'est séparés, on s'est mis d'accord pour essayer de faire preuve d'intelligence et de protéger nos enfants avant tout. Et pour l'instant, je veux dire que ça a fort bien marché, oui. On est restés amis et c'est vraiment une très bonne chose pour les enfants. Et donc, ça marche bien. C'est un demi-divorce, en fait. Exactly. Alors, depuis que vous êtes séparés, on vous prête, Bruce Willis, c'est normal, vous êtes très beau, on vous prête toutes sortes d'aventures. Et récemment, vous avez été obligé de démentir une liaison avec une starlette de 18 ans qui s'appelle Lindsay Lohan. Alors, I did, yeah, it was, oui, c'est vrai. There's very little you can do, il y a très peu de choses qu'on peut faire quand on est... with the gossip. Quand on est aussi connu, parce que les gens vont toujours parler à un moment ou à un autre. Donc là, j'ai été un petit peu trop loin peut-être. Et donc, ils les ont poursuivis en justice et ils ont dû présenter leurs excuses. Mais bon, 18 ans, oui, c'était un peu trop jeune peut-être. Oui. Alors vous dites, de toute façon, je suis devenu tellement difficile maintenant qu'il n'y a que 2% de la population féminine dans le monde qui peut me correspondre. Donc c'est très difficile pour vous maintenant de trouver une chaussure à votre pied, comme on dit. It is difficult. Oui, c'est très difficile, effectivement. But I'm still looking. Mais bon, je cherche. D'accord. Ben, les filles, maintenant, vous le savez. He's still looking. Voilà. Alors, vous dites, c'est difficile de savoir, en fait, quand on voit arriver une fille, quand on est Bruce Willis, parce qu'il y a écrit jackpot ici, et c'est très compliqué de savoir si la fille est honnête, c'est ça? Ah bon, c'est un pseudo, Bruce Willis? Jackpot, oui. Hein? I am a jackpot. Oui, je suis le jackpot incarné, oui. Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, je pense que c'est une question de confiance. Mais tu n'as pas envie d'avoir une aventure avec une Maasai pour voir un peu un regard vierge, quelqu'un qui ne te connaît pas, ou une Inuit? No, you're right, I don't want that. Non, vous avez raison, mais non, sans façon. Il ne veut pas. Alors, il y a un truc très, très drôle, Bruce Willis, c'est que récemment, dans le show de David Letterman à New York, vous avez sorti une DVD, une cassette, avec la vie sexuelle autorisée. Yes. C'est quoi? C'est-à-dire que les bandes qui étaient sur Internet, vous avez décidé de les sortir en DVD, c'est ça? It was a set of 5 DVDs. Oui. La vie sexuelle de Bruce Willis, il faut 5 DVD. Merci. That was just the first year. C'était simplement la première année. Ça. J'adore cette émission, je trouve que c'est vraiment super. It's you singing. It was me singing, yes. Oui, oui, c'était moi qui chantais, c'est vrai, mais ça fait longtemps. Ça s'appelait... Ça s'appelait Le Retour de Bruno. The Return of Bruno. Et vous chantez plus maintenant? Why don't you sing anymore? No, I still do. Si, je chante toujours. Je me produis avec mon groupe qui s'appelle les Accelerators. En 2003, on est allé en Irak pour amuser mes troupes. It's just a well-kept secret. Mais c'est un petit secret, quelque chose que je fais toujours. Je fais de la musique tout à fait différente maintenant. Là, ce qu'on a entendu, ça remonte à 18 ans. Ah oui, bien sûr, oui, bien sûr. Alors, avec Otage, Bruce Willis, vous redevenez un héros. Donc, on va faire une interview anti-héros. Bruce Willis, est-ce que vous avez déjà fermé votre gueule devant un flic qui vous collait un PV? Ouais. Est-ce que vous avez déjà fermé votre gueule devant un flic qui s'en prenait à un black? Ah, c'est un black qui appelle. Allô?
Attends, excuse-moi, là, je suis avec Bruce Willis, OK? Est-ce que vous avez déjà fermé votre gueule devant un flic qui s'en prenait à un black? Non. Et devant un black qui s'en prenait à un flic? C'est un trick question. Ça, c'est une question piège. Est-ce que vous avez déjà fait semblant de ne pas entendre quelqu'un qui vous avait insulté? Yes. Connard. Oui. Vous êtes déjà évanoui. Vous... Ah, on va voir, parce que nous, ça nous arrange vachement que ce soit un anti-héros quand même. Est-ce que vous avez déjà porté des chaussettes trouées, par exemple? Oui. Yes. Oui. Et des, oui. Des slips sales? Non. Non, d'accord. Non. Est-ce que vous avez déjà exigé un cascadeur pour une scène pourtant sans danger? Non. Vous avez déjà demandé à des techniciens de sortir du plateau au moment où vous alliez vous mettre tout nu? Non. Vous avez déjà eu une panne sexuelle avec une femme très entreprenante? Non. C'est un héros! Est-ce que vous avez déjà serré la main de quelqu'un en sachant qu'il vous détestait? Yes. À Hollywood. Oui. Et qui sortait des toilettes sans se laver les mains. Hey. Est-ce que vous êtes déjà barré avant qu'une de vos conquêtes ne se réveille? Yes. I almost bit my arm, moi. J'ai failli me... Je m'en suis mordu les doigts. Est-ce que vous êtes à l'école le matin, ça va être... Est-ce que vous... Est-ce que vous avez déjà dit à une fille que c'était la femme de votre vie pour coucher plus vite avec elle? Yes. Vous avez déjà profité qu'une fille soit bourrée pour coucher avec elle? Oui. Voilà, Bruce Willis. Le film s'appelle Otage, mesdames, messieurs, il est vachement bien. Pick up one card, Bruce, please. Florent. Vous devez vous laisser embrasser sur la bouche par Thierry Ardisson. You need to kiss Thierry Ardisson. Et c'est moi, ça me plairait? Non, you need to do it. You're not shaving. You can do it. It's not good. Thank you. Nice. Il y a des millions de filles qui m'envient ce soir. Vous êtes un vrai héros. Ça va être sur les vidéos classées X. Ça te vexe pas si je passe mon tour, j'attends Julia Roberts. Ok, thank you for coming. Thank you very much. Thank you. Merci. That's very nice. Bravo. Thank you. Thank you. Oui. Thank you. Voilà, donc les filles maintenant qui m'ont embrassé sur la bouche. Celles qui veulent essayer. Il y a encore un petit peu de... Tu veux essayer de... Il y a encore un petit coup de Bruce Willis. Tu veux essayer? Et maintenant... Voici Christine Scott Thomas. Bonsoir. Christine Scott Thomas. Alors,
Vous êtes rare à la télévision, on vous voit rarement sur les plateaux de télévision, on est donc d'autant plus content et flatté que vous soyez là, Christine. Voilà. Merci. Alors je sais que vous n'aimez pas les gens qui sont impressionnés par vous, vous dites ça me met mal à l'aise, alors je vais essayer de ne pas être trop impressionné par vous, tant pis. Et moi les gens mal à l'aise, ça m'impressionne. On ne va pas s'en sortir. Hein, non. Alors en fait, je crois que vous n'êtes pas du tout consciente de l'effet que vous produisez. Vous dites les gens fantasment à cause de mes rôles, ils imaginent que j'ai une espèce de pouvoir de séduction, c'est archi faux. Ah oui. Je peux pas élaborer, mais oui. Ouais. Oui. Vous savez pas que vous êtes très jolie et très séduisante. Oh, voilà, c'est ça. Arrête, t'es chiant. C'est très sympathique, merci. C'est relou. En fait, Christine se trouve pas belle, mais si elle le dit, elle a peur de passer pour quelqu'un qui aurait de la fausse modestie. Oh, qu'est-ce que donc c'est très compliqué. Vous, non, c'est vous qui êtes compliqué, c'est pas moi. Non. Ah bon. En tout cas, ça vous rend encore plus attachante et... Et plus belle. Oh voilà. Non, arrête. Bien, alors, vous êtes ici pour le nouveau film de Régis Varnier, Man to Man, avec Joseph Fiennes et nos deux amis pygmées que nous avons reçus ici récemment. L'Omama. L'Omama et l'autre, comment il s'appelle ? Bobo. L'Omama, Bobo. C'est rien, ça va passer. Alors, on va faire le pitch. Alors, ça commence en Afrique, en 1870, un anthropologue écossais, Joseph Fiennes, et une redoutable chasseuse, vous, capturent un couple de pygmées et le ramènent à Édimbourg pour les étudier. Et là, les amis de l'anthropologue, les amis de Joseph Fiennes, les considèrent, ces deux pygmées, comme des animaux et les exhibent dans des zoos. Lui, au contraire, il les considère comme des êtres humains. Et effectivement, ils s'attachent à eux, ils commencent à communiquer avec eux et ils découvrent une véritable humanité chez eux. C'est un très beau film. Mm-hmm. C'est un film assez universel contre le racisme qui peut fonctionner partout. C'est-à-dire, c'est un film où on peut lire ce qu'on veut dans le film. On peut aller le voir juste parce que c'est un film d'aventure, mm-hmm. et c'est un film avec plein de choses nouvelles dont on ne parle pas beaucoup au cinéma, cette période-là particulièrement de la recherche des scientifiques sur l'origine de l'homme. Mais c'est aussi un film vraiment d'action, avec beaucoup de suspense et des choses assez choquantes dedans. On va regarder à quoi ça ressemble. Vous allez regarder votre caméra et vous dites, celle où il y a le rouge, et vous dites Magnéto Serge. Oh. Magnéto Serge. Allons-y, en avant. En avant. Le monde entier te recherche. Et c'est moi qui ai fini par te trouver. Messieurs, les pygmées que nous allons vous présenter aujourd'hui sont le chaînon manquant entre les grands singes et l'humanité. Chaque jour qui passe, je vois quelque chose dans leur comportement qui me fait douter. Je ne peux m'empêcher de m'interroger sur notre théorie. Je sais très bien que tu es intelligent et on va le montrer au monde entier. Un, deux. Allez, Toko, regarde. Un, la femme, deux. La femme, la femme. Nous ferions une excellente alliance. Une alliance? Nous sommes amis maintenant. Il ne s'agit que de commerce pour vous. Mais pour moi, peut-être touchons-nous là à l'origine de toute vie. Voilà, Man to Man de Régis Varnier. Avec Joseph Fiennes et Christine Scott-Thomas, qui est notre invitée ce soir, voilà. Alors vous êtes parfaite en femme de l'époque victorienne, en pleine jungle, avec les bottes, le fusil, enfin c'est très,
très romantique. Hein. Et alors, vous êtes toute seule, votre mari a probablement été mangé par des lions. Vous êtes obligée de vous débrouiller pour survivre. Vous savez que ce n'est pas bien d'exporter des animaux sauvages, mais vous le faites. C'est ça un peu le oui. personnage, non ? Je pense que c'est son métier d'exporter les animaux sauvages. Elle a du mal à exporter les humains. Elle se sent un peu coupable et elle a vraiment... C'est la seule qui a une vraie connaissance de l'Afrique. Elle est une vraie conscience aussi. Mais en fait, je trouve que ce personnage est peut-être pire que les autres, dans la mesure où elle sait exactement ce qu'elle est en train de faire, mais elle le fait quand même. Elle n'a pas d'état d'âme, elle n'a pas de scrupules, quoi. Du tout. Elle a envie de faire pas mal d'argent et pour pouvoir revenir dans son pays, qui est l'Afrique. Alors, c'est une femme assez moderne, hein, non ? Oui, je trouve. Un peu féministe, presque, non ? Oui, c'est une période qui m'intéresse beaucoup, cette période-là, qui est vraiment le début du féminisme, avec les premières femmes étudiantes, les premières femmes qui avaient une éducation, une vraie éducation comme les garçons. Oui. Alors, chez vous, les racines afro-victoriennes ne sont pas loin, puisque le grand-père de votre mère était ingénieur, oui. et il avait traversé l'Afrique du Sud avec sa famille, dans une oui. charrette à bœufs, et le soir, il dînait... En smoking. Ben oui. C'est exactement ça dans le film. C'est hein? un peu, c'est un hein? peu cet univers-là. Ça oui. fait rêver. Hein? Oui. Ouais. Alors, vous êtes né en Angleterre d'une famille très chic. Pas du tout. Bon, comme il faut, quand même, une famille comme il faut. Une famille normale, mais ouais. pas chic. Oui, comme il faut. Je sais pas. Ouais. mais comme il faut. Comme il nous fallait, en tout cas. comme il fallait, en tout cas, voilà. Alors, votre vie, ça commence comme un roman. Votre père était pilote de chasse. Mm. Il est mort quand vous aviez 5 ans. Votre mère se remarie avec un autre pilote de chasse ouais. qui meurt 6 ans après. Ouais. C'est incroyable, non ? Oui, mais vrai. Mais vrai, c'est la malédiction. incroyable et triste et très difficile pour elle et pour nous les enfants, c'était très difficile. Enfin, ça, c'est des choses qui nous fabriquent. Enfin, c'est des expériences comme ça, c'est des choses qui nous donnent nos caractères. Donc, il ne faut pas pleurer. C'est réussi. Vous avez commencé la comédie très tôt. À l'âge de 4 ans, vous jouiez un berger. Oui. J'étais aussi un berger, un vieux berger, en effet, oui, avec une canne. Mais c'est pas un peu tard, 4 ans, pour jouer un vieillard Mais alors, très vite, vous êtes aperçu que c'était là que vous étiez bien, quoi. C'était quand vous étiez en représentation. J'aimais beaucoup me déguiser et faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Ouais. Oui. Et je continue. c'est pathétique. Et ce soir, vous faites l'actrice qui a fait un film avec Régis Varnier. Vous le faites très bien, d'ailleurs. Merci. Alors, votre famille vous décourage de faire de la comédie parce que par sens des convenances, ça ne se faisait pas. Et vous décidez de devenir professeur d'art dramatique, ce qui était sans doute une mauvaise idée. Ouais. Fatale. Mm. Oui, je me suis inscrite dans une classe où on apprenait à être professeur. Et je me suis vite aperçue que ce n'était vraiment pas la bonne voie. Et que pour faire ce que je voulais faire, il fallait que je quitte l'Angleterre. Et que je recommence à nouveau quelque et part voilà. ailleurs. Et voilà. Et c'est là que la France a hérité de Christine Scott Thomas. Vous aviez 19 ans. Vous êtes venue ici comme jeune fille au père dans une famille. Et c'est cette famille qui vous a encouragé à faire le métier enfin, d'actrice. Enfin, quelqu'un m'a encouragé à faire ce que je voulais faire. Et c'était à cause... D'ailleurs, je me souviens très bien, j'avais tellement peur d'aller au concours de la Rue Blanche que... Elle m'a mis elle-même dans un taxi. Elle a appelé un taxi, elle m'a mis elle-même dans le taxi, elle m'a donné des sous. Ouais. Et donc, vous n'êtes jamais reparti de France. Mais ma maison, chez moi, c'est ici, oui. Il faut dire que vous avez rencontré un Français aussi. Ouais, voilà. Ça, c'est fatal aussi. À l'époque, il était étudiant en médecine. Oui. Enfin, ça, c'est la vie privée, on ne va pas trop en parler, mais c'est aujourd'hui un grand médecin. Oui. Quelle spécialité ? La spécialité, c'est qu'il est obstétricien. Voilà, j'arrive pas à le dire. Tu vois, je préfère que ce soit Christine qui le dise. Obstétricien. J'arrive pas à le dire. Moi aussi. Dis-le, enfin, voir. Moi non plus. Dis-le. Enfin, moi aussi. Obstétrique. Je sais pas. Obstétricien. Non, non. Il y a des mots que je sais pas dire. Par exemple, bateau. Non, bateau. Tu sais ça mais bateau. 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 Non, mais obstétrice, tu vois. C'est pas un mot facile non c'est plus. C'est pas hein. un mot facile, hein. Vous avez 3 grands-enfants, hein. Mm-hmm. Et alors, à cause de ces enfants, donc, vous n'avez pas fait de carrière Hollywood. C'est parce que j'ai choisi de privilégier la vie française, la vie que je pouvais trouver ici, avec ma famille, mes enfants, plutôt qu'avaler là-bas et avoir à faire des choses qui m'attiraient plus tellement, en fait. Je suis allée, j'ai fait un tour, ouais. Et puis je suis revenue. Vous regrettez pas ? Jamais. Si, parfois. Quand les enfants pleurent, oui.
ici, parfois, on se dit, oh, j'aurais dû rester. Et puis, on a plus de liberté ici, bizarrement. Ah. Oui, les femmes de mon âge, dans le cinéma américain, c'est très, très, très difficile. C'est vrai, c'est vrai. Et là, vous voyez les rôles que je viens de jouer, là, uniquement en France, avec Arsène Lupin, et puis Man to Man, et Petite Coupure. C'est fantastique, c'est fabuleux. C'est... Faites les méchantes, hein, en ce moment, hein. Oui, j'ai eu une période méchante, c'est fini là. Ah bon? Je suis plutôt dans les comédies là maintenant. D'accord. Alors, en préparant cette interview, je me suis rendu compte que ce n'est pas la première fois que vous jouiez avec des pygmées. Oh! En 86, vous avez fait Under the Cherry Moon avec Prince. Oui. Oh, excusez-moi, Victorine. Ça sentait la vanne. Ça sentait la vanne. Oui, absolument. Mais ce film là, Under the Cherry Moon, vous ne l'avez pas mis dans votre filmographie, hein? Oh si! Ah bon? Elle doit l'être. Ouais. Je ne sais pas, je ne publie je pas, je ne vérifie non. pas. Non, non vous je êtes suis pas fière très fière de ce film. Si, je suis très fière de ce film. C'était mon premier film. Je jouais au théâtre dans un champ en Bourgogne, une pièce de Marguerite Duras, et tout d'un coup, on m'appelle pour me demander d'aller faire des essais avec Prince, qui était à l'époque le summum star. Des stars. Ah ouais, énorme star, bien sûr. Énorme. Et puis, je me suis trouvée dans une limousine en allant à Nice. Je n'avais jamais été dans un hôtel de ma vie jusque-là. Et là, c'était les hôtels 4 étoiles. C'était mignon, quand même. Bon, arrêtez-vous, je vais craquer là. Ouais. Alors, vous êtes sans doute l'anglaise qui connaît le mieux les Français. Je crois qu'on est plusieurs à connaître. Ouais, Jane Birkin et vous. Hein. Et Charlotte. Alors, on va faire un French quiz. Aïe, aïe. Alors, Christine, est-ce que le français fait tout le temps la gueule? Oui. Non, mais attendez. Vous voyez? Vous voyez? Voilà. Et encore, rappelons qu'elle ne prend pas le métro. Oui. Est-ce que le français a vraiment une hygiène douteuse? Peut-être que non. Ah! Est-ce que le français se croit vraiment supérieur aux autres? Non. Non. Je dirais même le contraire. Ah bon? Enfin, ah bon? Vous pensez que je les Français... Je pense qu'on a un petit complexe d'infériorité, oui. Ah, vous dites « on », c'est on, vrai. Oui, parce que je me sens, je me sens quand même adoptée et je me suis adaptée. Donc, voilà. Oh là là. Vous parlez beaucoup mieux le français que Jane Birkin, hein. Est-ce que le français est vraiment nul en langue étrangère? Pas aussi nul que les Anglais, hein. Ouais, d'accord. Ou les Américains. Ouais. Est-ce que le français... est vraiment prêt à dénoncer son voisin si on le lui demande? Oui. Ah. Est-ce que le français arnaque vraiment les touristes quand ils viennent en France? Ah, ça, je sais pas, parce que j'ai jamais été touriste en France. Bah, attends, qui t'a vendu ce manteau? On va quand même. Est-ce que le français est dragueur? J'ai du mal à repérer les dragueurs, en fait. Ah. Même donc... pendant l'acte? Mais t'es pas en train de me draguer, là? Non. Pas du tout. Est-ce que le français passe vraiment son temps à parler de sexe? Non. Est-ce que le français embrasse bien? Oui. Est-ce que le français fait bien l'amour? Oui. Est-ce que le français est sympathique? N'en demande pas trop, Thierry. Oui. C'est ça, la carte. La carte. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je vais avoir à vous embrasser encore? Ah ben je sais pas, il n'y a pas que ça sur les cartes. Hein. Bruce, il attend si ça tombe sur lui. Hein. J'ai changé quelque chose avec vous. Mais j'ai pas de voisin. Ah, si, vous. Hein. Qu'est-ce que vous devez faire vous à votre voisin? Vous avez des chaussures, on va changer les chaussures. Hein? Ben allez-y, je vous garçon. Vois très bien. Ça va mettre du temps. C'est quoi? Est-ce que je... Voilà. Merci. Est-ce que ça vous va au moins? Ben, moi, ça doit m'aller parce que j'ai des grands pieds, mais je ne sais pas si vous allez pouvoir mettre un talon aussi. Très bien. Et là, mais tu resteras pas... pieds nus, mon garçon. Mais par contre, moi, ça me va très bien. Très bien. Ben, vous partez avec.
Bon alors, ça s'est bien passé cette interview. Oui. Vous étiez inquiète et tout. Oui. Ça va, non? Oui, ça va. C'est bien passé. Tu veux refaire la chaussure? Non. C'est bon? Ah, c'est toi qui cadre. C'est flou, Laurent. Je sais. Flou. Moi, quand je suis pas payé, je suis flou. Bon, je crois que ça s'est bien passé, non? Très bien passé, bel échange de chaussures, il y a c'était des très belles images, de oui. Pas d'embrassage sur la bouche, mais non, il reste encore plein d'autres invités, Thierry. Ouais, m'entends. Et maintenant, j'accueille Emmanuel Béard et Patrick Timsit. Non, je ne sais pas, c'est Laurent qui intervient. Il le fait à tout le monde. Quand on ne te demande pas d'intervenir. Hey, t'as vu où t'es là, entre Emmanuel Béard et Christine Scott-Thomas, tu oui, t'imagines? C'est pour ça. Et en plus, t'as la coupe de cheveux de Bruce Willis. Alors, t'es énorme, t'es énorme. Je les ai confondus tout à l'heure dans les loges. Mais oui, mais c'est pour ça que je t'ai pas dit bonjour. Oui. Parce que j'ai réagi comme j'ai Bruce Willis, que c'était le vrai. T'as négligé. T'as non, négligé, mais il a été charmant, Bruce Willis. C'est vrai? Parce qu'il te connaît pas. C'est l'avantage des étrangers, ils sont charmants avec toi. Emmanuel Béard et Patrick Timsit, vous avez décidé de couper l'herbe sous le pied de la presse à scandale et de venir ce soir à la télévision pour annoncer votre liaison, voilà. Formidable. Voilà. Je suis ravie. Voilà. Moi aussi. Moi aussi. Et voilà. Vous ne saviez pas, Christine? Non, c'est nos familles qui vont être contentes de la prendre. Tout le monde va être ravi de la prendre, comme ça, non, ça va je être... je crois qu'il fallait mieux le dire à un moment, tu vois, ça peut pas oui, rester. Et puis surtout en télé. Voilà. Moi, je crois que c'est l'endroit pour le dire. Je crois que s'il y avait un endroit où il fallait l'annoncer, c'est ici. Hein? Voilà. En fait, vous vous êtes rencontrés sur le tournage d'un vaudeville qui s'appelle Un fil à la patte, oui, de Georges Feydeau. C'est comme ça que vous avez fait connaissance. Un film réalisé par Michel Deville. Alors, avec, par ordre alphabétique, attention, accrochez-vous. Oui, il y a du monde. Emmanuel Béard, Charles Berling, Dominique Blanc, Jacques Bonafé, Mathieu Demy, Julie Depardieu, Sarah Forestier, Stanislas Mérard, Tom Novembre, Clément Siboni et Patrick Simpson. Ah. Quelle distribution! Stanislas qu'on avait reçu, qu'on avait surnommé le gros déconneur, tu te rappelles? Tu te souviens, ouais. Rappelons, à la base, il a un sapé de croque-mort et il nous avait vraiment fait rire ce soir-là. Mais c'est un clown blanc. Ouais, on l'a bien vu. Attention, il en faut. Il faut c'est que les filles sont folles de lui. Alors, je peux te dire qu'elles sont dingues de lui, les gonzesses. Tu vois comme quoi. Alors, donc, c'est une pièce de Feydeau avec les portes qui claquent, les amants dans le placard. Il y a 228 entrées et sorties, c'est pour dire. C'est drôle, c'est féroce, c'est très obsédé par le sexe et l'argent. Et tout ça est très bien filmé par Deville. La caméra qui virevolte comme ça, une caméra presque chorégraphique. Tout à fait, Thierry. Tu vois, je vends le film là. C'est formidable, on n'a rien à faire. Hein? Hein? Il n'y a qu'à faire oui de la tête comme ça. Voilà, tu fais comme les chiens à l'arrière des voitures, voilà. Voilà, comme ça. Avec les petits yeux qui clignotent. C'est cynique, mais c'est gay. Alors, il y a un truc qui est génial dans ce film, c'est que l'adultère, évidemment, n'est pas vécu comme une tragédie. Parce que souvent, dans le cinéma d'aujourd'hui, quand des gens se séparent, c'est un drame terrible et tout. Et là, surtout c'est vécu par le mari, en général, oui, voilà, qui le vit comme une tragédie. Alors que là... Même le mari le prend légèrement. Tout le monde prend ça très bien, c'est vrai. Hein, c'est... Non, je ne sais pas ce que disait Feydeau, que les hommes infidèles, c'était inhérent à leur fonction de mari. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Vous voulez que je fasse le pitch? Ah, avec plaisir. Non, je vais faire le début du pitch, parce que le pitch est ultra compliqué, l'histoire est absolument compliquée. Les deux, trois premières fois. Voilà, c'est ce qui fait son charme, voilà. Alors, Berling, qui joue le séducteur, aime Emmanuel, qui joue la diva, espèce de demi-mondaine, qui est sa maîtresse. Mais il doit signer un contrat de mariage avec Sarah Forestier, qui est une jeune fille richement dotée. Mais la mère de Sarah Forestier, Dominique Blanc, voudrait bien se taper Berling. Enfin voilà quoi, donc c'est... Ouais.
Et vous, alors, vous êtes un écrivaillon, on pourrait dire, qui essaye de vendre des chansons à la diva. C'est ça. Ouais. Une espèce de, un clerc de notaire qui se prend pour un artiste et qui vient vendre sa chanson. On va regarder à quoi ça ressemble. Vous allez regarder tous les deux votre caméra et vous allez dire Magneto Serge. En même temps, alors, sinon ça ne marche pas. Alors, oui, celle où il y a le rouge. Magneto, non. Non, alors, attention. Un, deux, trois. Magneto Serge. Je te donne jusqu'à 5 heures pour rompre. 5h30. Il faut absolument que je la lâche. Et qu'elle me lâche. Qu'est-ce que vous me dites là? Je me marie. Vous? Moi, ce soir. Elle est jolie? 64 000 livres de rente. Ah. Vous ne m'embrassez pas? Un homme colossalement riche, fou d'amour pour elle. L'occasion pour vous de rompre ce fil à la patte, c'est ce que vous voulez, non? Riche et en plus, il est pas mal du tout. Vous aimez ailleurs? Oui. Pour longtemps encore? Ben, jusqu'à ce que la mort nous sépare, monsieur. Monsieur de Fontanet, un ami? Monsieur de... Lui-même, mademoiselle. Oh, il a une haleine. C'est épouvantable. Oh. Et vous connaissez bien Lucette? Et son amant? Mais pourquoi cette curiosité, monsieur? Pour savoir qui je dois tuer. Elle est bien bonne. S'il faut tuer quelqu'un, tenez, il s'appelle Bouzin. Monsieur Bouzin? Oh. Ah. Venez donner le bras à Viviane, s'il vous plaît. Pourquoi lui? Parce que c'est le fiancé. Occupez-les, pas un mot sur moi. Vous êtes sur ma route, j'aurai votre tête. Arrêtez, je perds le souffle. Bonne nouvelle. Vous me lâchez, mais lâchez-moi. Mais qu'est-ce qui leur prend? Et demain, mangera-t-on? Mais où l'emmenez-vous? Je t'emmènerai sur un voilier. Ah, au secours. Oh, elle est là, et toute nue. Oh. C'est une maison de fous. Ne fermez pas. Oh, excusez-moi l'habitude. Voilà un fil à la patte de Michel Deville, sorti le 27 avril. Ah oui, c'est la bande-annonce traduit tout à fait le rythme du film. Hein. Effréné. Ouais, c'est très virevoltant comme ça. C'est des situations qui sont complètement dingues avec des personnages qui sont complètement fous. Donc effectivement, ça donne, voilà, ça ne s'arrête pas. Moi, je l'ai vu avec ma famille et tout le monde s'est marré. Voilà. Bah, tant mieux. Alors Emmanuel, vous auriez pu être une diva comme l'héroïne du fil à la patte, une espèce de demi-mondaine. Et très jeune, vous avez découvert l'autre à travers votre mère. Militante du Parti communiste à travers les réunions de cellules dans son salon. C'est vrai. Ça vous a amené à découvrir l'autre, à vous intéresser aux autres. Et alors, ce que j'ai appris en préparant cette interview qui est incroyable, mais ça ne m'étonne pas finalement, c'est quand vous étiez ado, vous séchiez les cours pour aller dans les cimetières, vous récupériez les bouquets de fleurs, les gerbes de fleurs sur les tombes les plus fleuries et vous les mettiez sur les tombes des gens qui n'avaient pas de fleurs. C'est magnifique, moi. Ça montre un altruisme incroyable, puisque de toute façon... Parce les que gens toi, quand t'étais gosse, tu faisais l'inverse. Non, mais c'est fou, parce que les gens sont morts, donc... C'est vrai que c'est un drôle de souvenir, parce que je passais beaucoup de temps dans ce cimetière donc, de Cogolin, et je me disais, mais il y a une incroyable injustice. Voilà. Donc, pendant que ma mère s'occupait des vivants, elle avait raison, moi, je m'occupais des morts. C'est extraordinaire. Et je rétablissais une sorte de justice dans les bouquets de fleurs. Je me disais, voilà, je répartissais de façon plus équitable. Ça, génial. Alors, en même temps, vous louiez une cabane, vous aviez mis des matelas, des tentures, des bougies, et vous louiez la cabane pour des couples qui voulaient aller se décoter. Oh, pas cher. Hein. Ouais, 2 francs. Ouais, 2 francs. Un peu tenancière de bordel en même temps, ouais. Non, mais à l'époque, c'est vrai que les parents ne recevaient pas les enfants pour aller s'embrasser dans la chambre. Donc, nous, on avait fait une cabane, parce qu'on avait beaucoup d'imagination, pas de télé. Ouais. Et donc, on louait ça 2 francs pour les gens qui voulaient se bécoter tranquille, quoi. Et j'adore. Je crois qu'ils ne faisaient pas grand-chose parce que... Et maintenant, tu as modernisé. Je crois qu'il y a un distributeur de capotes. Je veux dire, c'est devenu maintenant une entreprise. Si je le faisais, il y en aurait un, ça, c'est sûr. Voilà. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'à l'époque, quand vous quittiez Cogolin, donc votre mère, vous alliez chez votre père à Garches. Et là, il y avait une espèce d'immense maison avec une piscine. Et il y avait, vous dites qu'il y avait des gens qui étaient tellement célèbres que vous croyez qu'ils étaient morts. Et alors, il y avait Pompidou, Aragon, Brassens, Simone Veil. Ils sont tous morts. Voilà. Je me souviens d'une grande engueulade avec mon père qui me disait qu'on allait voir Aragon. Et je disais, mais il est mort. On apprend à l'école, je sais bien qu'il est mort. Ouais. Donc effectivement, il me parlait de tous ces personnages que j'apprenais à l'école, dont j'apprenais les poésies ou les chansons. Et pour moi, tous ces gens étaient... Voilà. Voilà, et vous les croisiez là. Mais en fait, c'est dans le salon de votre mère que vous apprenez la vie
en entendant les récits des gens qui venaient, les gens qui étaient licenciés, les gens qui étaient les femmes qui étaient battues par leur mari. Ça a été finalement votre c'est son combat, elle. Ouais. Oui, c'était vraiment. Mais vous étiez là, vous entendiez tout. Ça a été votre éducation finalement. Bah, au bout d'un moment, c'est certain que même si pendant des années j'ai eu envie, vous parliez d'Iva ou de, j'ai eu envie terriblement de m'embourgeoiser, de fuir tout ça et de me dire que j'allais m'occuper de moi et de mes enfants. Et tout d'un coup, voilà, les choses vous rattrapent très vite. Étrangement, l'éducation est une chose qui colle à la peau et qui vous rattrape et qui fait que tout d'un coup, bah, je suis partie dans la même direction. Oui, mais c'est bien, non? Oui. Non, mais parce que je pense que vous êtes plus heureuse comme ça. Que, voilà. Vous savez, il y a deux choses que je ne voulais pas faire. C'est faire de l'humanitaire comme ma mère et être chanteuse comme mon père. Et maintenant, effectivement, je suis ambassadrice de l'UNICEF et je rêve de chanter. Donc, c'est pour vous dire que voilà, c'est... Vous occupez d'humanitaire, vous aussi, non? Je m'occupe d'une charité qui s'appelle Hopes and Homes for Children. Et en France, on vient de commencer. Ça s'appelle Une famille en espoir. Et ça a pour but de sauver les enfants en grande détresse qui sont devenus orphelins à cause de la situation, soit économique, soit particulièrement en Afrique du Sud, le problème avec le sida, et de les aider à se tenir en famille et de ne pas les séparer et aider l'aîné de la famille, c'est-à-dire très souvent un enfant qui a peut-être 10 ou 12 ans à s'occuper de ses petits frères et sœurs. Parce que c'est un vrai problème terrible. On peut, si les gens veulent envoyer de l'argent, il y a... Il y a une adresse à Paris, je le connais pas. Regarde, ça s'inscrit là. Incroyable. C'est marrant la télé quand même. Ah, la magie du direct, bravo. C'est ça la télévision. Alors, vous dites, Emmanuel, quand vous parlez de cette époque, comme ça, vous êtes dans le salon de votre mère qui reçoit tous ces gens malheureux. Vous dites, il y a ceux qui viennent simplement chercher de la nourriture. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui viennent raconter leur... C'est pas qu'ils reçoivent, c'est qu'ils viennent manger ou dormir sur le sofa. Et donc, on se lève le matin et on dit bonjour, tu es qui? Et voilà, on a quelqu'un chez soi et c'est régulier, c'est sa façon de vivre et... Vous dites, c'est là que j'ai appris à regarder mon voisin, c'est là que vous avez découvert l'autre, donc. Et cette phrase que je trouve formidable de vous, quand on a ouvert les yeux, on ne peut plus jamais les refermer. Oui, c'est difficile. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est... Je pense qu'une fois qu'on a commencé... Mais en même temps, je me dis qu'il y a une chose qui est bien, c'est que quand on a une vue comme ça globale de la situation, on est une forme de cynisme et de désarroi, alors que quand on commence à mettre un pied dedans... On se dit, ben, je ne fais pas grand-chose, mais je fais quelque chose, donc les choses sont possibles. On peut tous faire quelque chose. Et je me rends compte, comme dirait ma grand-mère, qui a 101 ans et qui est une femme incroyable, elle va dans la rue. C'est beaucoup. Et elle dit toujours, tu vois, j'ai rencontré un clochard et j'ai commencé à parler avec lui et quelqu'un m'a suivi, quelqu'un est sorti. Et quelqu'un, donc comme si, effectivement, ça provoquait, ça fait boule de neige. Voilà, on se dit que, ben, moi, je trouve cette femme incroyable. C'est de famille, alors? Un peu, ouais. Tant mieux. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est l'UNICEF, effectivement, dont vous êtes une ambassadrice. Et est-ce qu'avec les hommes, vous êtes infirmière? Ah non, j'aime pas. Ah bon? Ah non. J'aime la part délicate ou même les faiblesses, mais j'aime pas un homme enfant ou un homme malade. Ouais. Enfin, je veux dire, non. Vous préférez les vrais hommes? Malade vrais hommes, de sa maman, non, c'est pas pour moi. Christine, je vais vous laisser filer, parce que Christine part à Londres, là. Je vais vous laisser filer. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Man to man. De Régis Varnier. Embrasse Régis pour moi. Alors, Emmanuelle nous disait qu'elle n'était pas très infirmière avec les hommes. Est-ce que vous êtes landru avec les femmes, vous, mon cher ami? Landru avec les femmes, non. Non, impossible. Ça voudrait dire les découper en morceaux, les faire cuire. Enfin, c'est un boulot, c'est landru et travailleur. Ça s'est bien passé à Cannes cette semaine. Là, le téléfilm a été bien accueilli, non? Excellent. Enfin, excellent, c'est ce que les gens disent. Un petit jus de pomme. Ouais, bien sûr. On va prendre pour des cons. Un petit jus de pomme. Un petit thé à la menthe. Moi, c'est vrai. Aussi, c'est bouillant. Thé. Je précise. Aussi, c'est... Parce que c'est la couleur de... Ils sont forts, ces alcoolos. Et disons, moi, c'est vrai, tu m'as tué. Vous avez
Donc le... ça va aller beaucoup mieux non, après. Non, non, oui, ah ben. Oh, c'est marrant, c'était un jus de pomme tonique. Et alors à la rentrée, l'emmerdeur avec Richard Berry sur scène. Oui. C'est bien, on fait plein de trucs nouveaux, là, la radio, oui, le théâtre. Tellement différent, ouais. Oui, on a du mal à me c'est m'attraper. Bien. Alors c'est en attendant, il y a un DVD, le DVD de l'émission de radio qui s'appelle Radio Team Site sur Europe 2. Simple. Jean-François Alain, Alexandre Pell, Muriel Barrel. Alors on va regarder à quoi ça ressemble, vous connaissez le principe. Cette fois, Emmanuel ne bouge pas et c'est vous qui dites Magnéto Serge. C'est moi qui vais dire Magnéto Serge, mais à cette caméra. Voilà. C'est donc Magnéto Serge. Bravo. Radio Team Site. Premier sur les poules. Il faut être gentil sur Terre pour aller au paradis. Oh, vous aller au paradis. Oui, ouais, pas. Ouais, vous voulez aller au paradis. Oui, ouais, ben ça tombe mal, moi je veux aller en enfer. Parce que finalement, quand on analyse bien, vous voyez, vous allez arriver au paradis. La première chose que vous faites, vous allez dîner avec Mère Teresa, David Douillet, Nicolas Hulot, l'abbé Pierre. Bonjour, la soirée de merde, tu vois. T'arrives au paradis. Tu vas bouffer quoi au paradis? Des légumes, des légumes, des légumes et des légumes. Tout ça cuit à la vapeur. Alors que sur Terre, tu t'es déjà fait chier à bouffer des légumes parce qu'on te promettait d'aller au paradis. La nana qui a passé sa vie en boîte à partout, vous allez où? En enfer ou au paradis? Ah bah, au paradis. Je pose une question. Elle est au paradis? Elle est au paradis. Oui, et tu lui prêteras ton pull. Alors. Oui. Parce qu'il y a des choses qui vont t'en apprendre. Pas les vêtements. Pas les vêtements. Ah, je suis obligé, tu m'attaques, mais je suis obligé d'être méchant. Je suis méchant, ouais. Moi je vais aller en enfer. Mais tu vas aller en enfer, Patrick. En 1993, il vous expliquait sa méthode pour perdre 26 kilos en un mois dans le régime Sulitzer. Aujourd'hui, Paul Le Sulitzer vous livre son secret pour perdre 25 points de QI en 10 secondes. J'ai tombé dans l'escalier. J'ai tombé dans l'escalier, un guide indispensable, écrit gros de 3 pages, couverture comprise. Non mais Patrick, c'est lamentable. C'est honteux. Radio Team Site, premier sur le rail. Si je me présente au guichet d'Air France, bonjour mademoiselle, ou TWA n'existe plus, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, Delta Airlines. Je voudrais un petit billet, s'il vous plaît, pour le prochain avion. Quelle destination, monsieur? N'importe quelle destination, Inch'Allah. Un aller simple. Faites-moi juste traverser l'Atlantique. Un aller simple, un aller-retour. Et je choisirai dans l'avion la destination, Inch'Allah. Vous avez des bagages? Dieu est grand, mademoiselle. Il choisit lui-même où j'atterris. À la Akbar. Jamais ils me donneront de billets, vous croyez? Ah non, mais à ton avis, t'as eu de la chance qu'ils t'envoient pas directement à Guantanamo en vacances. Ils vont me dire, mais c'est complet l'avion, c'est complet l'avion. Je reviendrai demain, Inch'Allah. Radio Team Site, premier sur la chanson rive gauche. Il ne leur manque que la parole, c'est ce que l'on dit souvent de nos amis les chiens. Selon une étude américaine, il leur manque aussi la propreté, l'intelligence, un travail et un slip. Il y a Patrick qui vient de s'étouffer. Radio Team Site. Maintenant en DVD, mesdames, messieurs, la première radio en DVD. Premier sur la volaille, premier sur les moniques. Ah, c'est mortel, hein. Ah, vous étiez un peu choqué quand même, hein. Non, je pensais à son procès, en fait. Ouais. Dire, oui, mais, elle était solidaire procès. Pour mon futur procès. Ouais. Ouais. C'est vachement bien. Bah, c'est-à-dire que je l'ai vécu comme un show, quoi. C'était ouais. Un mois, c'est pour ça que ça s'appelle Radio Team Site, quoi. C'est pour mouiller personne. Ouais. On m'a dit, t'as l'antenne, un mois. J'ai dit, un mois, mais j'ai l'antenne, vraiment, et... Donc on est parti, c'est vrai, avec Jean-François Alain, Alexandre Pell, on est des super complices, on écrit des spectacles ensemble. Ça manque à la radio, ça. En télé aussi, d'ailleurs. Ouais, 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 enfin, c'est vrai que c'était le côté public, direct, et que ça... C'est comme si je faisais un spectacle. Alors en plus, comme c'est l'époque où vous tourniez Landru, il y a la barbe, le bonnet, c'est infernal. Oui, 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 c'est pour ouais. Ça que c'était pas de la radio. C'était à un moment, c'était du show, je me planquais sous le bureau, on devait expliquer ce que je faisais. Ouais. C'était alors, un c'est gros marrant bordel. Parce que... Vous avez commencé acteur, ensuite réalisateur, ensuite scénariste, ensuite animateur radio. C'est un peu la carrière d'Orson Welles à l'envers, d'une certaine façon, non? Oui, tout à fait, Orson Welles. Je retiendrai Orson Welles. Oui, tout à fait, oui. Une autre question, peut-être? Il n'y a plus de questions. Maintenant, on va faire une interview. Votre ville. Alors, ça marche pour tous les deux, hein?
Est-ce qu'un après-midi, Emmanuel, est-ce qu'un après-midi en rentrant plus tôt, vous avez déjà surpris votre petite amie au lit avec quelqu'un d'autre? Ça serait, il serait mort, moi je serais en prison, ça serait. D'accord. Moi, je préviens avant de rentrer. Surtout plus tôt, quoi. Plus tard, je préviens pas. Plus tôt, je préviens. Emmanuel, est-ce que vous avez déjà fait sortir un amant ou une maîtresse par la fenêtre en catastrophe? On réfléchit parce qu'elle ne baisse que dans les voitures. Alors, allez, toi, je suis pas une trompeuse. Ah oui? J'aime pas le principe, ça m'emmerde. Vous avez des fidélités. On s'en va, si on n'est pas heureux, on s'en va. Ouais. Mais c'est très, je suis désolée, c'est... Mais voilà, ça, j'aime pas, ça me... Vous avez des fidélités successives, en fait. Ouais, j'ai été fidèle, ouais. Quand j'ai aimé, j'ai été fidèle. Et toi, ça t'est déjà arrivé de faire sortir un amant ou une maîtresse par la fenêtre en catastrophe? Bien sûr, puis il va le dire ce soir, il n'y a aucun problème. S'il y a un endroit pour se confier, je crois que c'est la télé. Entre tu vois, s'il y a un endroit, tu vois, c'est marrant, il y a des gens, ils ont des emmerdes parce qu'ils se sont confiés en télé. Tu peux jamais avoir de la peine pour eux, quoi. Tu dis, mais les cons, quoi. Il a été se confier en télé, puis il s'étonne que les gens le sachent. C'était filmé, mais je ne savais pas. Oui, c'est ça qui est terrible. Je croyais que le fait de t'habiller comme moi te rendrait plus sincère. C'est vrai? Ça te va bien. C'est vrai qu'on est habillé pareil. Ça te va bien, tu sais. Oui, mais c'est pour ça, je regarde. Vous allez changer tout à l'heure. Bientôt, je serai grisonnant. Emmanuel, est-ce que vous êtes déjà écrié « Ciel, mon mari » en entendant la porte d'entrée s'ouvrir? Je me suis jamais mariée. Ça t'est déjà arrivé de dire « Ciel, mon mari » toi en entendant la porte que... Ça voudrait dire que tu te trompes ton mari. Et en plus, tu es chez toi. Mmh. Tu vois? Non, je n'ai jamais trompé mon mari. Est-ce que t'as déjà dit à ta petite amie « Mais non, c'est pas ce que tu crois, c'est une copine. » T'es déjà arrivé ça? Parce que c'était la vérité à chaque fois. Ah oui. Ça sent le César, hein, quel acteur. Hein. Ouais. Est-ce que dans l'intimité, vous avez déjà appelé votre petite amie ou votre fiancée par un autre prénom que le sien? C'est qu'il y en... Oui, c'est arrivé parce que le début, c'était Da. Ah. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, très bien. Voilà. Très. Donc... Toi, ça t'est déjà arrivé? En général, je les prends toutes avec le même prénom. D'accord. C'est bien Ginette, ça passe partout. Hein. Patrick, est-ce qu'au téléphone, vous avez déjà chauffé la mère en pensant que vous adressiez à la fille? Non, ce qui m'est arrivé, c'est des fois de déconner en appelant un pote et de tomber sur son père. Mais ça, c'était pas une relation amoureuse, donc c'est pas du... Mais se bourrer et puis chauffer comme ça, c'est-à-dire draguiller la mère ou draguer ou faire une déclaration d'amour à la mère, non. Non, surtout si elle dit oui, t'imagines. Non, c'est en croyant que c'était la fille. Non. En croyant que c'était la fille? Ah oui. Non. Non. J'ai toujours su que c'était la mère. T'as vu, il répond d'abord et il comprend après. C'est très... On va tomber. Voilà, un fil à la patte de Georges Feydeau, mis en scène par Michel Leville, sorti le 27 avril. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, là. Alors là. Ben, c'est lui qui rêve d'un baiser, hein. T'inquiète pas, le plus angoissé, c'est lui. Oh mince, il faut que ça tombe sur moi, ça. C'est quoi? Embrasser Thierry Ardisson? Non, en même temps, ça poserait sur pas nous, de problème. Oh, ça ne poserait pas de problème, elle a dit. Oh, 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 oh. Je dis ça, bébé. Bruce Willis, Emmanuel Béart, bonne soirée Thierry, bonne soirée, bonne soirée. Alors, quelle est la carte? C'est quoi? Vous devez enlever un vêtement. Vraiment, j'ai préféré vous embrasser. Ah ben d'accord, non, non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, non, c'est bon, d'ailleurs, c'est une nouvelle loi à partir de maintenant. C'est-à-dire que les gens qui ne veulent pas faire ce qui est écrit sur la carte peuvent m'embrasser. Voilà. Est-ce qu'on pourrait donner une carte à mon ami Tim Seed,
T'es pas à l'abri de me rouler une pelle. Ah, pas mal. Eh ben, écoute, c'est pas un gage pour moi. C'est quoi? Eh ben oui, Thierry Ardisson doit continuer l'interview sans l'aide de ses fiches. Ben, go. Elle est terminée, l'interview. Oh, elle est terminée, l'interview. Viens me faire un baiser. Ah oui. Bonne soirée pour vous. Soir, j'adore ce boulot, moi. T'as senti un petit goût de Bruce Willis? C'est mouillé. Ça sent Bruce Willis, là, j'ai mouillé. Du Bruce Willis, du Emmanuel Béard, là. Et 13 heures à Bévilla, un peu. Il était sur le plateau d'à côté, je sais, à Bévilla. C'est pour ça. Je te dis. Avec Pascal Sevran. Je vous ai vu, j'ai ouvert la porte. Ouais, oh, il a mis l'écharpe et tout, magnifique. On a fait l'écharpe. Tu fais bien l'écharpe. J'accueille Avi Pazner. Avi Pazner, bonsoir. Bonsoir. Vous connaissez Emmanuel, vous connaissez bien Patrick sûr. Timsit, Laurent Baffy. Bonsoir. Alors, vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France, aujourd'hui porte-parole du gouvernement israélien et président mondial de l'Appel Unifié pour Israël. C'est quoi l'Appel Unifié pour Israël? C'est un mouvement de solidarité qui vise à mobiliser tous les amis d'Israël de par le monde. Et c'est un, comme ça l'indique, c'est partout, partout, partout. Alors je voyage énormément et j'apporte la bonne parole, j'espère, la bonne parole d'Israël à toutes ces communautés, à tous ces amis d'Israël. Alors vous publiez aux éditions du Rocher « Les secrets d'un diplomate » que vous avez écrit en collaboration avec Freddy Ethan et vous racontez dans ce livre votre vie et votre carrière. Alors votre vie commence en 1937 à Danzig où votre père était économiste, un économiste réputé d'ailleurs, qui dirigeait une entreprise de textile. C'était un sioniste fervent, hein? Absolument, oui, oui. Il était sioniste depuis son enfance parce qu'il pensait que la solution au problème des Juifs de l'Europe se trouvait en Palestine, en Israël. Alors, il avait d'ailleurs rencontré votre mère dans un congrès sioniste à Lucerne en 1935 et ils s'étaient mariés tous les deux, pour l'exemple, à Tel Aviv, voilà. Avant même, la, bien entendu, la fondation de l'État d'Israël. Alors, à un moment, votre père a été soupçonné d'être un agent sioniste à la solde des Anglais. Il a été arrêté par la Gestapo, il a été torturé. Et il a décidé de partir en Suisse pour sauver votre vie et celle de sa famille. Et là, en Suisse, il va aider beaucoup de Juifs à s'en sortir. Il était au courant de la solution finale, il était au courant de la conférence de Wannsee qui avait décidé la solution finale. Comment se fait-il que votre père était au courant, qu'il y avait pas mal de gens au courant, et que ça n'ait jamais été connu avant la fin de la guerre? Mon père a été le premier à être au courant de cette situation en juillet-août 1942. Et il a essayé d'alerter Churchill et Roosevelt. Il a frappé à toutes les portes à Genève, il a été voir le consul américain, le consul britannique. Il leur a dit, j'ai la preuve qu'à Wannsee, on a décidé la solution finale des Juifs d'Europe. Et personne n'a voulu l'écouter, personne ne le croyait, c'était tellement monstrueux qu'on ne croyait pas que c'était possible. Alors, il a frappé à toutes les portes, il a fait ce qu'il pouvait, et ce qu'il pouvait faire, c'est surtout de faire passer des Juifs de France en Suisse, ouais. À Annemasse et Bellegarde, à la frontière franco-suisse. J'allais avec mon père. Un jour, oui, il vous a montré. Et il a voulu que je voie ça, j'étais tout petit, j'avais 6 ou 7 ans, et mon père m'a dit, écoute, je veux que tu vois de tes propres yeux pour que tu n'oublies pas et que tu puisses témoigner par la suite de ce qui se passe. Et j'étais là-bas la nuit, j'avais terriblement peur. Je me rappelle, je serrais très très fort la main de mon père. Et il y avait ces gens qui arrivaient, c'était l'obscurité totale. Et on avait encore plus peur des gardiens suisses, ouais, que des gardiens français. Parce que les Suisses ne voulaient pas que ces gens-là passent. Et je me rappelle, il faisait froid, il faisait noir. Et pour un petit enfant, c'était un souvenir inoubliable. Ouais. Alors vous faites votre scolarité en Suisse, où vous découvrez l'antisémitisme et votre judéité. Quand j'étais petit, je cachais soigneusement le fait que j'étais juif. Ouais. Parce que je ne comprenais pas pourquoi, mais je comprenais que ce n'était pas bon. Et à l'école, les enfants jouaient des jeux un peu cruels.
et j'étais toujours le souffre-douleur. Il y avait particulièrement un jeu qui consistait à mettre quelqu'un dans un coin et tout le monde se lançait dessus. Et ça s'appelait Presse Citron. C'est un jeu qu'on connaissait à Genève dans le temps. Et avec moi, ça, le jeu est devenu Presse le Juif. Alors, ça a duré un an. Et je ne me suis jamais plaint, ni à mes parents, ni à mes professeurs, parce que je voulais démontrer que je saurais résister. Et après quelques mois, eh bien, ils ont cessé. Quand ils ont vu que je tenais le coup, ils ont cessé. Ouais. Alors ensuite, votre famille émigre en Israël. Vous faites université, vous faites votre service militaire, vous entrez dans la diplomatie. Et là, vous allez vivre au cœur de l'histoire. Pendant des années, vous allez être témoin de la guerre du Kippour, de Camp David, de la guerre du Liban, de la guerre du Golfe. Et vous allez surtout rencontrer tous les grands de ce monde, Nixon, Carter, Ceausescu, Reagan, Juan Carlos, Kissinger, Sadat, Begin, Rabin. Enfin, vous êtes au cœur de l'histoire pendant des années, quoi. C'est vrai. J'ai rencontré tous ces personnages que vous dites. J'ai été très impressionné par certains d'entre eux, moins par certains autres. Mais j'ai eu cette chance inouïe, peut-être, pour un seul homme, de travailler, premièrement, à côté de tous les premiers ministres d'Israël, qu'ils soient de droite ou de gauche. Et je n'ai jamais exactement compris comment ça se faisait, que tout le monde me faisait confiance. D'ailleurs, on a posé cette colle dans un programme de télévision. Il y avait des auditeurs comme ici. On leur a dit, pour qui vote Avi Pazner? Alors, la moitié a répondu Likoud, la moitié a répondu travailliste. On m'a demandé à moi. Moi, je ne dis pas. Voilà. Alors, vous avez eu la chance aussi de rencontrer le pape Jean-Paul II, qui a lutté contre le nazisme, qui a lutté contre le communisme, mais surtout qui a réconcilié les juifs et les catholiques. En 1986, le pape Jean-Paul II a été le premier à traverser le Tibre pour se rendre à la grande synagogue de Rome. C'est un geste absolument extraordinaire. C'est un pape qui était un très grand ami des autres religions, et spécialement de la religion juive. C'est un pape que j'ai eu l'honneur de connaître personnellement, car c'est avec lui que j'ai négocié la reconnaissance d'Israël par le Vatican. Oui, parce que ce qu'il faut dire, excusez-moi, mais ce qu'il faut dire à nos amis téléspectateurs, c'est qu'en 1948, à la naissance de l'État d'Israël, le Vatican n'a pas reconnu l'État d'Israël. Et même en 1966, quand Paul VI est allé en Israël, il n'a eu aucun contact avec les autorités israéliennes. Donc, il y avait vraiment il a fait très attention de n'avoir aucun contact. Ouais. Il est même entré par un endroit que personne ne connaissait, qui s'appelait Megiddo, pour ne pas entrer, pour ne pas voir aucun officiel israélien. Et c'est ce que j'ai cherché à changer quand je suis arrivé à Rome, comme ambassadeur en Italie. Et j'essayais, je m'évertuais, et j'allais voir tous les cardinaux, tout le monde. Et il ne se passait rien, jusqu'à ce que j'ai été voir un évêque français, Monseigneur Torrent, qui était ministre des Affaires étrangères du Vatican, qui m'a dit, Monsieur l'ambassadeur, évidemment, vous n'arrivez à rien, car il n'y a qu'un seul homme qui puisse décider d'une chose pareille, et c'est le pape. Alors je lui ai demandé de voir le pape, il m'a dit malheureusement c'est impossible, vous êtes accrédité en Italie, vous n'êtes pas accrédité au Vatican, je vais essayer de vous avoir une audience privée de 20 minutes. Alors, excusez-moi, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'avant de voir le pape, vous prenez vos précautions, vous êtes un bon diplomate, vous rencontrez un ami d'enfance du pape qui s'appelle Jerzy Kluger, et vous lui dites, vous lui demandez un petit peu des renseignements sur le pape, et là il vous raconte cette histoire de ces deux enfants juifs dont les parents avaient été déportés, et qui avait été recueilli par une famille catholique. Il y avait une famille juive qui sentait la déportation venir. Alors ils ont confié leurs enfants à des amis catholiques. Et à la fin de la guerre, en 1945-1946, quand ils ne sont pas revenus, ces parents, ces catholiques sont allés voir leur prêtre et ils ont dit « Nous aimons ces enfants comme s'ils étaient les nôtres et nous voulons les baptiser, évidemment ». Et le prêtre leur a demandé, mais est-ce que les parents vous ont demandé ça? Ils ont dit non, les parents nous ont confié ces enfants. Et le prêtre leur a dit, écoutez, c'est votre devoir de bon chrétien d'éduquer ces enfants en bon juif. Et le nom de ce prêtre était Karol Wojtyla, voilà, qui est devenu pape Jean-Paul II par la suite. Déjà alors, il avait fait preuve d'énormément d'humanité. Voilà. Alors quand vous êtes reçu par le pape avec votre épouse en audience privée, quand vous arrivez, il vous dit shalom, pour vous montrer à quel point vous êtes le bienvenu. Et au moment où vous le quittez, il vous parle de peuple élu. Oui, ça c'est un moment très émouvant, parce que, pas seulement ça, il nous a raccompagnés personnellement jusqu'à la porte. Il nous a pris la main à chacun d'entre nous, et nous croyons qu'il allait simplement nous dire au revoir, comme il a dit shalom, il allait nous dire au revoir. Et il nous a dit, surtout n'oubliez pas, mes amis, que vous n'êtes pas seulement des ambassadeurs d'Israël,
vous êtes les représentants du peuple élu. Mm. Alors, d'entendre ça de la bouche d'un pape, c'est extraordinaire. Nous étions bouleversés presque jusqu'aux larmes quand le pape nous a dit ça. Ça veut dire quoi, le peuple élu, pour vous, Evie Pesner? Un peuple élu pour faire le bien, un peuple élu pour donner un bon exemple, un peuple qui a donné au monde, je crois, les 10 commandements, qui a donné le Shabbat, c'est-à-dire votre dimanche. voilà. Merci. Aujourd'hui, c'est même 2 jours, c'est et Shabbat et dimanche. Mais ça ne veut pas dire que c'est un peuple qui est mieux que les autres, quand même. Oh non, si c'était ça ce que le pape avait pensé, il ne l'aurait pas dit. Non, on n'est pas mieux que les autres, on a même beaucoup de défauts. Mais on essaye quand même de montrer un certain chemin, des fois par la souffrance. Des fois par la souffrance. Un peuple qui a, comme le nôtre, perdu un tiers de ses effectifs pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui est quand même parvenu à se redresser, c'est quand même un bel exemple, non, d'un peuple oui. qu'on ne peut pas abattre. Alors, élu, ça ne vous donne pas des droits. Ça ne vous donne pas plus de droits. Ça vous donne peut-être plus de responsabilités. Vous avez vécu comment ? Vous avez vécu comment, Emmanuel, la mort de Jean-Paul II ? Vous avez trouvé que c'était un beau moment ou qu'on en a trop fait ? Juste envie de dire oui, c'était quelqu'un qui politiquement a fait des choses incroyables, oui, pour les religions, et en même temps, non sur son aveuglement sur le sida et les préservatifs, non sur ses discours sur l'homosexualité, non sur ses discours contre l'euthanasie, c'est ce que je pense moi. Donc voilà, donc je voudrais que effectivement tout ce qu'il a fait de grand soit mis en valeur, et en même temps, qu'on n'oublie pas que c'est un pape aussi qui a eu un côté extrêmement fermé dans tous ces domaines-là, et que je le regrette. Parce que c'était un grand homme, effectivement, mais j'aurais bien aimé qu'il fasse avancer les choses, et qu'en Afrique, on ne nous dise pas « je ne mets pas de préservatif » parce que le pape dit qu'on ne doit pas... Voilà. Patrick, vous avez vécu comment la disparition de Jean-Paul II ? Ben, comme, c'est vrai que là, je suis... Super heureux d'entendre ça, parce que Emmanuel puisse le dire. Sur le moment, les gens, et on peut pas, tout est déplacé quand on, il peut pas y avoir la moindre critique sur le moment, et c'est vrai que, et moment extraordinaire, parce que mobilisation d'un monde entier, enfin ils avaient ouais. jamais vécu ça, on n'avait jamais vu ça, autant de gens comme ça sur Rome, et puis tant aujourd'hui aussi de dire qu'il ouais. y a encore des progrès, il y a encore des choses, et tant mieux pour le prochain qui pourra rétablir et encore progresser là où même un grand homme avait su ouais. ou n'avait pas pu prendre des responsabilités nécessaires. Bien. Comment vous avez réagi quand le pape s'est opposé à la guerre d'Irak ? Moi, j'ai trouvé ça naturel que le pape s'oppose à la guerre d'Irak, parce que ce pape était un homme de paix. Emmanuel, évidemment, a clarifié quelques aspects théologiques, mettons, de ce pape. Mais si je regarde, moi, d'une façon un peu plus vaste, mettons, c'était un pape, c'était un homme de paix qui a œuvré, premièrement, pour une meilleure compréhension entre les religions, entre les hommes, et j'ai trouvé tout à fait naturel qu'un pape pareil, avec une idéologie pareille, s'oppose à la guerre en Irak. Ouais. J'ai trouvé ça tout à fait naturel. Alors, plus récemment, Ariel Sharon a rencontré George Bush. Il est resté inflexible sur l'extension des colonies israéliennes en Cisjordanie. Alors, c'est un peu un paradoxe que j'espère vous allez nous expliquer, parce que d'un côté, il prend beaucoup de risques, Ariel Sharon, en évacuant la bande de Gaza. Il prend même le risque d'être tué. Ça va être très dangereux dans 100 jours pour lui, et vous le savez, évidemment. Et puis, de notre côté, on construit 3500 logements à Malé Adoumim pour relier la plus grande colonie de Cisjordanie, 30 000 habitants, à Jérusalem, ce qui va couper en deux la Palestine. Alors, finalement, est-ce que... C'est pas un leurre, cette histoire d'évacuation de la bande de Gaza. Est-ce qu'il fait pas ça? Et puis pendant ce temps-là, il y a des colonies qui se construisent en Cisjordanie, sur le territoire palestinien. Alors, premièrement, je crois que je dois clarifier une chose à propos de ces constructions. On en a beaucoup parlé en Europe. Il est vrai que ça a été mentionné dans les conversations entre Bush et Sharon. Bush a demandé à Sharon, est-ce que c'est vrai que vous allez construire 3500 habitations maintenant entre Jérusalem et Malé Adoumim? Et Sharon lui a dit, écoutez, Monsieur le Président,
Ça fait 10 ans qu'on en parle. Ça va de comité en comité. Personne n'a pris de décision. Il n'y a pas de décision aujourd'hui. La seule chose aujourd'hui de laquelle je me préoccupe, c'est le retrait de Gaza. Oui. C'est la seule chose qui me préoccupe. Et c'est là un moment dangereux. Premièrement, pour Ariel Sharon lui-même, qu'on menace de meurtre. Ah, c'est sûr qu'il risque sa vie, c'est sûr. Il risque pas seulement sa vie politique. Son parti est déjà brisé. C'est sa vie. Oui. L'opinion publique en Israël est déchirée. Une grande partie de l'opinion, 75%, soutient le retrait de Gaza. On veut être chez nous et laisser les Palestiniens chez eux. Mais les 25% qui s'opposent sont véhéments, sont idéologiquement très, très durs. Et parmi ces 25%, il y a une petite minorité, peut-être quelques dizaines ou quelques centaines, qui veulent passer aux actes. Et Sharon a dit à Washington qu'Israël risque même la guerre civile à propos de ça. Mais nous comprenons que le temps est venu maintenant. Il nous faut se séparer des Palestiniens. Les Palestiniens doivent être indépendants. Et le premier pas, c'est Gaza. Et nous sommes bien décidés à le faire. D'accord, mais si parallèlement, Israël construit des tas de colonies en Palestine, la Palestine, par exemple, ces constructions-là de Malé Adoumim, ça va interdire une continuité dans le territoire palestinien. Alors, vous dites qu'il y aura des passages, mais enfin, ça coupe quand même la Palestine en deux. Alors ça, plus le mur, on se demande si c'est vraiment sincère. C'est tout à fait sincère. Et d'ailleurs, je ne suis pas du tout sûr qu'il va y avoir des constructions. Pas du tout sûr. Et nous sommes tellement sincères que nous prenons des risques extrême pour un petit pays comme le nôtre, pour arriver à une solution. Je crois qu'il y a eu assez d'effusions de sang. Je crois que nous et les Palestiniens devrons vivre en paix. Je crois qu'il doit y avoir un État palestinien. Je crois que nous devons nous serrer la main, comme nous l'avons fait à Sharm el-Sheikh il y a 2 mois. C'est un chemin pénible. J'y étais, j'étais à Sharm el-Sheikh. J'ai vu moi-même à quel point de vue c'était pénible, et pour Sharon, et pour Mahmoud Abbas. Mais si nous avons 2 hommes qui veulent vraiment la paix n'est pas impossible. Donc, ce que vous nous dites ce soir, c'est qu'il y a une réelle volonté de la part d'Ariel Sharon de créer un État palestinien, comme Absolument. Il y a eu une réelle volonté du général de Gaulle de créer une Algérie algérienne. D'ailleurs, vous savez que le général Ariel Sharon se plaît un peu à se comparer à de Gaulle. Enfin, je ne sais pas s'il a la même envergure, il a l'embonpoint, mais il se plaît à se comparer politiquement à de Gaulle. D'ailleurs aussi, on a essayé d'assassiner de Gaulle. On va en parler tout à l'heure avec la fille de Bastien Thierry. Ah oui, voilà, justement. Et Ariel Sharon, aujourd'hui, il se déplace entouré d'une ceinture de garde-corps impénétrable. Et il sait, il se rit de cela. Il dit, oui, on veut m'assassiner, mais moi, j'arriverai à faire le retrait avant qu'on m'assassine. C'est là la philosophie de Sharon aujourd'hui. Il a beaucoup changé. Depuis qu'il est Premier ministre, depuis qu'il a vu tous les problèmes de tout le monde, et des Palestiniens et des Israéliens, il a beaucoup changé et il se contemple en De Gaulle. Oui. Et les colons israéliens qui sont installés en Palestine, le jour où il y aura un État palestinien, ils dépendront de l'État palestinien ou de l'État israélien ? Bien, ça dépend des négociations, parce que l'État palestinien qui sera installé après des négociations avec Israël. Il y a certaines zones peuplées d'Israéliens que nous revendiquerons. En échange, peut-être, les Palestiniens pourront recevoir d'autres territoires. Il y aura tout un échange et de territoires et d'hommes et de femmes. Parce qu'en fin de compte, il faut qu'il y ait 2 États indépendants vivant l'un à côté de l'autre en paix. C'est ça la solution au problème. Vous comprenez qu'ici, ça nous choque quand on entend le mot colonisation, parce que la France était un grand pays colonisateur et ma génération a été témoin de la décolonisation. C'est-à-dire que les Français sont partis de tous les endroits où ils étaient. Donc aujourd'hui, quand on entend qu'il y a des colonisations en Palestine, c'est sûr que ça nous choque, on trouve ça anachronique. Oui, mais évidemment, si on l'appelle colonisation, ça me choque moi aussi. Oui. Mais, vous appelez ça comment alors? Ben, c'est des implantations de juifs qui habitent dans des territoires. On aurait pu dire que les pieds noirs en Algérie, c'est des implantations de Français aussi. Mais comme vous le voyez, monsieur Ardisson, comme vous le voyez, rien n'est irréversible. Et la preuve, c'est qu'il y a 8000 Israéliens qui vont devoir quitter la bande de Gaza, qui va être rendue complètement à 100% aux Palestiniens. Ça, c'est dans 100 jours.
dans 100 jours, en juillet. Il va y avoir un juillet très intéressant. Je vous conseille de voir la télévision israélienne. Ça va être intéressant, peut-être pas beau à voir, déchirant même. Et dramatique, certainement. On a connu ça en 62. Oui. Vous avez connu ça en France. Vous avez connu ça en France. Ça va être très dramatique parce qu'il y a déjà 100 000 personnes. Il y a 8 000 personnes qui habitent dans la bande de Gaza. Et déjà 100 000 personnes, 100 000 Israéliens ont déclaré qu'au moment de l'évacuation, ils iront à Gaza pour essayer d'arrêter avec leur corps l'armée israélienne qui va effectuer ce retrait. Alors, ça va être très, très dramatique. Malheureusement, le pays va souffrir beaucoup. Ce n'était pas le cas des métropolitains en 62. Il n'y a personne qui est venu aider les pieds noirs. Non, ça sera violent. Ça sera violent. Oui, oui. Quand on se rappelle même les images qui avaient déjà été faites. Les images dans le Sinaï, où les Israéliens, il faut savoir que c'est vrai que ce sera l'armée, les bulldozers. C'est très déchirant parce que ces gens-là habitent là-bas. Il faut maintenant les déraciner de leur terre. Et c'est nous-mêmes qui devons faire ça. Ouais. C'est nous qui sommes responsables de les avoir envoyés. Il n'y a que Sharon qui peut faire ça, oui. Sharon lui-même, qui est responsable, c'est nous-mêmes qui les avons envoyés. Maintenant, il faut leur dire assez, vous devez revenir. Ça va être très, très difficile. Donc, on peut dire ce soir que la volonté de Sharon est l'instauration d'un État palestinien en Palestine. Absolument. Un État indépendant. Absolument. C'est aussi l'intérêt d'Israël, d'avoir un État palestinien indépendant et aussi un intérêt israélien. Absolument. Bonne nouvelle. Voilà. Patrick, je trouve ça formidable. La dernière fois que j'étais ici, je voyais Leïla Chaïd qui avait aussi un discours comme ça, à cette souffrance, à cette guerre, une volonté de paix, et qu'au fur et à mesure, au début, on a toujours l'impression qu'on réclame à un petit génie de faire quelque chose, à une petite fée, un petit souhait, et qu'aujourd'hui, il y a des dates, que c'est ferme. Pour une fois, ça sent bon. Ça va partir très vite en couille, parce que c'est une poudrière. C'est important de le dire en France, d'autant plus qu'en France, on vit, et vous êtes super bien placé pour le savoir, cet amalgame entre juifs, israéliens, palestiniens, terroristes, musulmans, et qu'il est temps aussi d'éduquer et de pouvoir en parler en France, comme ça, de savoir exactement qu'Israël n'est pas un mot mal élevé, que Palestinien n'est pas un terroriste, et que enfin, deux peuples qui souffrent et qui doivent se retrouver. Exactement, et que les représentants puissent en parler et qu'on puisse écouter sans être gêné, pouvoir prendre la parole. Et en France, il va falloir aussi apprendre ce que c'est que de vivre entre juifs et arabes, et que ça vit très bien, et qu'il y a un respect l'un de l'autre, et qu'il y en a qui se sentent représentants alors qu'ils n'y comprennent rien. Vous savez, vous avez absolument raison. Vous savez que moi, je suis assez connu en France. Et quand je vais dans des restaurants pour déjeuner ou dans un théâtre, viennent chez moi me saluer des Français musulmans qui me disent « La seule chose que nous voulons, c'est enfin de pouvoir vivre en frères, nous, juifs et arabes. » Et j'ai jamais eu en France, et je suis là depuis longtemps, j'ai jamais eu un geste malicieux à mon égard de la part d'un musulman français. Jamais. Alors, jamais. Pour réconcilier les religions, on va dire... Emmanuel. Pour réconcilier les religions, on va dire Inch'Allah. Non, Inch'Allah, voilà, absolument. C'est un beau mot en toutes les langues, voilà. Inch'Allah. Voilà. Oui, absolument. C'est pour ça que la mort du pape aussi, c'était incroyable. Tous ces invités, tous ces gens qu'on voit en ce moment se serrer la main, s'embrasser, il va falloir avoir d'autres valeurs, d'autres chats fouettés. C'est fou, ça a foutu une bonne ambiance, cette disparition. Oui. Tout le monde se serre la louche. On s'est un peu plombé. Le président israélien a même serré la main du président syrien et du président iranien. Et là, tout le monde était baba parce que tout le monde s'engueule alors qu'eux se serrent la main, et c'est ça qui est fantastique. Bonne nouvelle. Merci. Les secrets d'un diplomate. Avi Pazner. C'est publié aux éditions du Rocher, mesdames, messieurs. Merci d'avoir été avec nous, Avi Pazner. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Emmanuel. Merci. Salut. À bientôt, ma soeur. Ça.
petite gonzesse. Et maintenant, chez retrouvé Titine, Titine, on a Titine. J'ai retrouvé Titine que je ne trouvais pas. Je l'ai trouvé par hasard qui vendait du buvard. Voici Christine de Vieux-Jeancourt. Bonsoir. Bonsoir Thierry. Heureux de vous revoir. Ravi d'être là. Alors, on a reçu ici la courtisane, la prisonnière, l'écrivaine. La menteuse. La chanteuse. Nous recevons ce soir à nouveau l'écrivaine, future comédienne. Future comédienne et peut-être fermière. Non, ça, les rumeurs, ça va. Ah non? C'est ce que ça vaut, les rumeurs. Faites pas c'est la ferme célébrité de... C'est, on m'a demandé, mais bon, j'ai pas pris... Non, je pense, j'en sais rien encore. C'est, c'est pas j'ai mal, pourquoi? Vraiment d'autres projets en ce moment. Ouais. C'est bien d'aller faire caca dans le jardin, on reste on marche un peu. Sympathique. Alors, la chanson, c'est fini, là. J'ai eu beaucoup de choses à faire. Non, mais qu'est-ce voilà. que vous avez décidé à arrêter la chanson? Les ventes? J'avais fait ça, Thierry Ardisson, je crois que vous l'avez peut-être pas compris. J'avais fait ça parce que vous avez vu que les morts se sont accumulés autour de moi. Ouais. Et c'est vrai que quand je suis dans la lumière, je me sens plus tranquille. Dès que je suis dans l'ombre, j'ai peur de passer à la casserole comme 14 morts. Vous auriez peut-être dû faire du gangsta rap, finalement, compte tenu de votre passé, non? Alors, on va parler à l'écrivaine ce soir. Laurent, je te demande de te concentrer. L'écrivaine. L'écrivaine. Vous publiez aux éditions du Rocher un livre qui s'appelle « Corruption, une affaire d'État » avec un S. Alors, c'est un point sur les affaires Elf-Dumas, les frégates de Taïwan et le récit de votre vie. Oui. Vous savez, depuis 8 ans, j'ai pas pu le faire, ça. Mmh. Une femme a été préfabriquée. On a fait, et là, je crois qu'on commence à le comprendre. Et puis, il y a une affaire qui avance. Il y a un juge qui fait son boulot. Et cette femme a été complètement manipulée ou préfabriquée. Et dans cette femme, depuis 8 ans, je ne me reconnais pas. Et vous savez, c'est très lourd de vivre avec ça. Je veux dire, de voir une femme qui n'est pas vous. Donc pour la première fois, il m'a fallu du temps, il a fallu que des choses se passent et enfin je peux dire qui je suis, pas cette femme qu'on a décrite de matahari, d'escroc, de pute, de salope, de tous les péchés ah bon de la République. Ah bah je suis déçu, moi. De tous les péchés mais de la République. À chaque fois qu'elle vient, c'est une nouvelle, Christine. C'est comme les oignons, il y a toujours une couche en dessous. Non mais c'est une belle image. C'est comme Lara Fabian. C'est tout le temps la nouvelle Lara Fabian. Mais elle plus. Plus encore, elle plus. Oui, eh plus ben, encore. Peut-être, c'est vrai que là, il y a la vraie. Ouais. Alors justement, je vais repitcher l'histoire, parce que c'est vrai que c'est quand même très sérieux cette affaire, il faut dire les choses. Le gouvernement français ne veut pas que Thomson vende des frégates à Taïwan pour ne pas froisser Pékin. Gomez, le patron de Thomson, par l'intermédiaire de votre second mari, M. Joncourt, et d'Alfred Sirven, vous demande d'influer sur Roland Dumas, qui est alors ministre des Affaires étrangères, pour que le gouvernement change de position et accepte de vendre des frégates à Taïwan. Est-ce que... Bon, je voulais finir ou je vous explique quelque chose de... Moi, je le fais plus simple que vous, le pitch. Il y a 3 affaires. Il y a l'affaire Elf, l'affaire Roland Dumas-Christine avec les statuettes et les pompes, et l'affaire Thomson. L'affaire Elf, j'en fais pas partie, ok? Elle s'est terminée, ça y est, c'est fini. Et là, il y a l'affaire Roland Dumas, Christine, qui fait la une partout pendant tant d'années pour sortir des chaussettes et des statuettes. Et puis, il y a l'affaire Thomson. Et je cache l'affaire Dumas, Christine. Oui, c'est fait, ce que j'allais dire. L'affaire... Vous alliez le dire. Donc, les chaussures Berluti, les statuettes, etc., qui en fait, on l'apprendra plus tard, ne sont qu'un leurre, ne sont qu'un écran de fumée pour cacher l'affaire des rétrocommissions sur les frégates de Taïwan. 8 milliards de francs, 800 milliards de centimes. Et on pense que tous les partis politiques ont touché. On dit droite-gauche, oui. Ouais. C'est la raison pour laquelle, depuis des années, mon avocate, le juge aussi, Van Rijnbeeck, essaie de demander au gouvernement français de lever le secret défense pour pouvoir faire la lumière sur cette affaire et que ce soit les ministres de gauche, que ce soit Francis Maire ou Fabius, jamais ils ne veulent pas. Donc c'est gauche-droite, oui. Voilà. Donc ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est qu'en fait,
toute cette histoire a été montée de toutes pièces, ou disons, en tous les cas, super gonflée, de façon à cacher ce vrai scandale, qui est un énorme scandale, qui est sans doute le plus gros scandale de la République. Depuis la cinquième, depuis 50 ans. Alors, c'est une affaire qui, en plus, est dangereuse. Il y a eu plus de 10 morts, non? On parle de 14. Alors, il y a un dénommé Thierry Imbaud, dont vous parlez dans votre bouquin. C'est qui, Thierry Imbaud? Thierry Imbaud était le fils du patron de la DGSE, dans des services secrets français. Et Thierry Imbaud avait été missionné par les services secrets français à Taïwan au moment où se négociait ce contrat. Et il a rencontré Thierry Imbaud. Je suis désolé. Non, mais c'est surtout, je croyais qu'il y avait un sniper. Il y a 14 morts, non, on est à 10, on est à 14, on entend poum, on est 15 dans les tontons flingueurs. Je regardais si j'étais pas blessé. Là. Je même quand je devais pas être frais, je suis drôle. Ça, pas en ce moment, quoi. Pas en ce moment. Donc, c'est Thierry Imbaud. Il vous a fait ses confidences avant d'être tué. Qu'est-ce qu'il vous a dit, par Christine? Par des amis communs, il a demandé à me rencontrer en 99, à l'époque où on parlait tant de ses chaussures et des statuettes de Roland Dumas. Et je suis allée le voir, on s'est retrouvés dans le hall d'un hôtel et il m'a expliqué, bien sûr, l'affaire des frégates. C'est la première fois que quelqu'un me parlait des frégates, parce que j'étais vraiment toute seule à l'époque à me battre avec ça. Il m'a expliqué qu'il connaissait les noms de tous ceux qui ont touché. Ouais. On est des gamins, hein. C'est chaud, là. On est des gamins. Là, c'est chaud, là. Et c'est non, je vais vous le dire ce soir. Puisqu'il avait été sur place et témoin. Ouais. Et on s'est séparés. Et puis, j'ai commencé l'écriture d'Opération Bravo. J'avais besoin de nourrir ce livre à l'époque. Je faisais l'investigation. Et il n'a jamais voulu... je n'ai jamais pu le joindre à nouveau. Et Opération Bravo est sortie. Et huit mois après, c'est le 11 octobre 2000, Thierry Imbaud a été passé par le cinquième étage de son... Et là, c'est... Ça, je ne le dis pas dans le livre, de l'immeuble où il était en train de s'installer. Sa femme était rédactrice en chef à CNN. Elle venait s'installer avec leurs enfants. Et à 23h, on l'a fait tomber du cinquième étage. Voilà. Et il devait, le lendemain, rencontrer un journaliste français pour parler des frégates à Taïwan. Et ce journaliste était venu me voir en me prévenant qu'il avait ce rendez-vous. Il flippait, d'ailleurs. Voilà. Et la veille, on l'a tué. Vous craignez, vous, pour votre vie, là? Vous savez, ça fait 8 ans, Thierry Hardisson, que je crains pour ma vie. Alors, la délicatesse, le ski plus. Non, c'était bien dans c'est ce Paris. Moment d'émotion. Oui, oui. J'adore ce moment un petit peu tendu de décontracté. C'est ça la télévision. Non mais sérieusement, ce qui est terrible dans cette affaire, c'est qu'effectivement, on a beaucoup parlé des pompes de Dumas, des statuettes de Christine de Végencourt. Tout ça a été un peu tourné en farce. Et en fait, ce n'est pas du tout une farce. Il y a des mecs qui se sont engouffrés 8 milliards de nouveaux francs. Et puis ces mecs-là, voilà, on n'a pas le droit de dire leur nom, puisqu'il y a le secret défense, que personne ne veut enlever le secret défense. Alors, c'est vrai quand même que cette affaire que la République veut enterrer, il y a 2-3 personnes qui ne sont pas d'accord. Il y a le juge Jean-Pierre, qui est venu ici, qui a fait un livre sur les frégates de Taïwan, qui est venu ici en parler. Il y a le juge Van Ruymbeek, hein, qui avance, qui continue à avancer. Et il y a vous, voilà. Et alors, il y a cette liste de récipiendaires de cet argent. Alors, il y a des noms qui circulent. Des fois, on va apparaître dans les journaux. Mais enfin, on n'a jamais eu encore vraiment la liste exacte. Non, il faut attendre que ce soit confirmé. Cette liste, Thierry, je l'ai ce soir. Laurent, c'est extraordinaire. Cette liste, elle est là, Thierry. Mais, attendez. À mon avis, attention en sortant. Hein. On ne dit pas des choses comme ça. Et tu le coupes au montage, bien sûr. Hein. Ah non. Il m'a foutu la trouille, ces conneries. C'est une affaire très sérieuse. Non, parce sérieux, que... tu coupes au montage. Non. C'est une affaire sérieuse parce que récemment, la France a envoyé 2 émissaires au gouvernement fédéral suisse pour leur demander de ne pas communiquer les comptes de l'intermédiaire taïwanais de toute cette affaire qui s'appelle Andrew Wang. C'est-à-dire que si aujourd'hui... C'est récent, c'est il y a 3 semaines. Ça a été dit dans la presse, il y a eu un homme de Thompson qui a été mis en examen par Van Ruymbeek et il a été placé sur écoute pendant 6 mois avant. Et on entend dans ses écoutes que cet homme dit à Wang, le récipiendaire dont vous parlez, qu'il n'y a pas de problème, tranquille, dormons sur nos deux oreilles. Il y a 2 émissaires français, du gouvernement français, qui ont été envoyés en Suisse pour stopper les retours des commissions rogatoires pour éviter que Van Ruymbeek ait les comptes, les noms. Voilà. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut en parler à la télé. Moi, on peut le dire à la télé tant qu'ils se sentent protégés quand même. Oui, non mais pour longtemps. C'est important. Vous avez rendu les 60 millions de francs que vous aviez touchés? Je les ai rendus en 99. Et alors?
Vous regrettez de les avoir rendus? Oui. Non mais, entre nous... Vous vous rendez compte que des magistrats aujourd'hui vont dire à mon avocate que j'étais conne de les rendre? Ouais. Pourquoi à l'époque, vous n'avez pas gardé les 60 millions de francs? Vous seriez parti en Amérique du Sud ou en Australie? Ou même du Nord. Ou même du Nord. Ou même central, on s'en fout. Ou même central, en même temps. Vous voulez. Non, mais pourquoi? Choisir. Bon, je les ai rendus et ça m'a permis aussi de mener ce combat. Ouais. Parce qu'imaginez ce soir, je suis là et je suis en train de parler de ça et on me dit, mais toi, tu t'es pris 60 millions. C'est vrai. C'est un peu ennuyeux. Je préfère me battre. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément un livre qui me concerne, mais c'est un livre qui concerne tous les Français. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier de mentionner, c'est que les Taïwanais apprenants qui a eu des rétrocommissions à cette hauteur dans ce marché, il y avait une clause dans le contrat initial prévoyant de ne pas de commission du tout. Donc les Taïwanais vont afficher tous ces milliards et ils réclament à la France, ils font un procès à France. Et là, on vient d'apprendre, et ça s'est dit dans la presse aussi, que la France, au moment de ce contrat, s'est portée garant de l'affaire en général. Si elle a le moins de pépins, c'est la France. Ça veut dire aujourd'hui que c'est vous tous, là, tous ceux qui nous regardez, qui vont payer. C'est-à-dire que les hauts fonctionnaires français qui ont pris cet argent l'ont bien au chaud quelque part, et vous les Français, comme dans Crédit Lyonnais ou Executive Life, c'est comme Executive Life, vous allez payer l'argent détourné. On s'en fout parce que maintenant on connaît Bruce Willis. Et voilà, il va régler tout. Non mais c'est vrai, vous avez raison. On va payer pour Executive Life, on va payer pour les frégates de Taïwan. Alors à chaque fois on nous dit mais c'est pas grave, c'est 2000 balles par contribuable. C'est rien pour nous, alors c'est tellement d'argent pour eux. Voilà. Mais alors, ce que je comprends pas. T'as une grosse cliente. Je sais, je connais les prix. ce que je comprends pas, c'est qu'en fait, le gouvernement, l'État, comme ça, il devrait vous laisser de l'argent et puis comme ça, vous arrêteriez de venir parler des frégates à la télé. Pourquoi ils vous font pas gagner au loto? Quand j'ai commencé en 99, des gens me disaient, même des journalistes, mais à force de faire ce que vous faites, ils vont finir par frapper à votre porte et vous dire, écoutez là. Votre argent, vous le reprenez, vous fermez votre gueule, c'est ce que je ferai vous à leur allez place, sous les moi. Cocotiers et vous arrêtez de nous emmerder. Et moi, comme j'étais bien branchée sur écoute à l'époque, j'aime m'amuser à prendre mon téléphone et à téléphoner à tous mes copains et mes copines en leur disant si jamais ils arrivent avec les valoches, c'est par la fenêtre et j'appelle l'AFP. Donc c'est vrai que je les ai emmerdés, oui. Elle a des couilles, la gamine, j'ai toujours dit. j'ai encore dit une connerie. Mais tu peux pas le dire autrement, non. Corruption, une affaire d'État, Christine de Liégeancourt, mesdames, messieurs. Alors, comme vous êtes assez courageuse, Christine de Liégeancourt, on va vous faire une interview, même pas peur. Christine, est-ce que vous avez peur de ce qu'on pense de vous? Non, alors ça, je m'en fous. J'ai vu le... Je peux pas aller plus bas qu'on a pensé de moi. Non, j'ai pas peur. Est-ce que vous avez peur qu'on vous remette en prison? Sans passer par la case départ. Bien sûr. Donc, on a toujours peur d'aller en prison, mais aujourd'hui, je n'ai plus peur, non. Est-ce que vous avez peur qu'on vous fasse taire un jour? On peut pas me faire taire. Est-ce que vous avez peur de ne plus jamais retrouver l'amour? Non. Ah... Est-ce que vous avez peur qu'on se moque de vous comme chanteuse? Non, je trouve qu'il y a de la partie prise, c'est idiot, c'est un petit travail que j'ai fait avec mon fils à l'artisanat. Rappelons qu'il y a cette émission, pour être honnête, le disque méchant. À l'époque n'avait pas été diffusé à la bonne vitesse. Il remet ça. D'où l'esprit critique, d'où les colibets. Il remet ça, c'est méchant. Est-ce que vous avez peur d'être oublié? Non, parce que je crois que je suis rentrée dans l'histoire avec l'affaire des frégates à Taïwan et je ne serai jamais oubliée. Mais si j'ai envie un jour de m'en aller, vous ne me verrez plus, c'est clair. Ah là là. Et qui viendra? Ça sera fini, ça. Qui viendra dans mes émissions? Vous serez bien tranquille, va. Est-ce que vous avez peur de finir votre vie en chantant dans les boîtes de nuit? Non. Non, c'est pas mal en même temps. Est-ce que vous avez peur qu'un jour, Roland Dumas vous rappelle? Je pense pas que ça se produise. Allô, j'ai plus de tirage. De merde. Je pense pas que ça se produise. Attends, même pour du cirage, je ne prends plus de risque. Et si vous rappelez? Non, ça m'intéresse plus maintenant. Ah non, c'est fini? Non. Est-ce que vous avez peur de vieillir?
Non, alors ça, j'ai vraiment pas le temps de penser à ça. Est-ce puis dans ma tête et dans mon cœur et partout, j'ai 20 ans. Est-ce que vous avez peur de mourir? Après, t'as de pourrir. Hein, après, hein. Tu fais bien les trois. Ouais, de pourrir, tout le monde va pourrir. Hein. C'est sûr. De mourir, ouais. J'ai eu très peur de mourir dans les années 99, 2000, 2001, puisque là, c'était chaud. Mais bon, j'ai passé à travers. Est-ce que vous avez peur quand vous faites le plein chez Total? J'ai plus de voiture. Vous avez peur quand on sonne chez vous? J'ai plus de chez moi. Ah. Vous avez peur quand vous endormez le soir? Non, j'ai plus beaucoup de peur maintenant. Je l'ai apprivoisé, la peur. Ouais. Comme la mort. Vous avez peur d'être obligé de vraiment travailler un jour? Mais vous savez, depuis 8 ans, là, c'est un drôle de travail, mais je veux dire, j'ai pas chômé. Vous avez peur quand un homme vous dit « je t'aime »? Non, j'adore ça. Vous avez peur de moi? Aujourd'hui, oui. Ah bon? J'étais un peu embêtée, oui. J'avais pas trop envie, mais vous voyez, en fait, c'est comme dans les histoires d'amour, c'est on se déteste, on se griffe et on revient. On s'aime. Oh là là, c'est hoche. Est-ce que vous avez peur de vous? Oh oui, quelquefois. Ouais. Est-ce que vous avez peur si je vous laisse seule avec ma fille? À mon avis, hors plateau et hors la lumière, il ne doit pas être très méchant. Ah, elle va le croquer. Tu vas voir, tu vas chier. Tu vas regretter ce que tu viens de dire. Vous allez faire du théâtre, là? Il y a d'un projet, c'est à l'écriture. Ça va très bien marcher. Vous êtes une vraie actrice. Corruption, une affaire d'État. Christine de Liégeancourt, c'est édité au Rocher, mesdames, messieurs. J'ai trouvé par hasard qui vendait du bon cuva derrière une vitrine de la gare Saint-Lazare. Je lui ai dit, titine, titine, on m'a titine. Ah, il va en prison. Il va y avoir. Je vais m'acheter deux statuettes. C'est quoi? Il faut que j'aille au coin jusqu'à ce qu'on me dise de revenir. Et on fait un peu de préventive et on revient tout de suite. On le jette comme ça. Vous devriez venir avec moi, vous aussi. Ah, attention, elle veut t'emmener au coin aussi avec elle. Elle flash qu'est-ce sur qui moi. Va la délivrer? Elle flash sur moi, mais elle a rendu les 60 millions. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, mais en même temps, qui va la délivrer? Et où il est le bonnet d'âne? Pourquoi j'ai pas le bonnet d'âne? Oh, mais regarde ce jeu-là, pas mal, pas ah, mal. Ah, bien, bien, je la vois là. Pas mal, non, mais regarde. Wow. Alors, vous me rappelez ou pas? Tu l'auras amorti, ton petit pantalon en cuir. Hein. On aura fait des jolis plans avec ça. J'ai quelqu'un pour vous délivrer. Quatre boules de cuir tournent dans la lumière. Votre fond de guerre est aux pièces de pierre. Voici Jean-Marc Mormec. Jean-Marc, ça va? Salut, ça va. Je pense, Jean-Marc, que vous devriez aller délivrer Christine de Viégeancourt, qui est prisonnière. Faut que j'aille la délivrer? Ouais, va la délivrer. Je vais la chercher? Va la délivrer, là, personne franchement. Personne va t'en empêcher. Faut l'embrasser pour la délivrer. Ah, faut que je l'embrasse. Faut l'embrasser. Faut que je l'embrasse. Un baiser. Ta droite, vas-y. Vas-y, ton gauche enchaîne. T'enchaînes pas. Hein. Il est très séduisant. Hein. Très séduisant. Hein? Ouais. J'aimerais bien être délivré par lui, moi. Oh là là. Avec les photos, ça. Après Bruce Willis. C'est hallucinant. Après Bruce Willis. Mais je trouve... Attends, on peut trouver quelqu'un séduisant. Voilà, c'est tout. Non? Bah non, c'est mais c'est marrant, défaut. Le mec, il est champion du monde de boxe. Il est... Là, il a... Vous êtes un... Attends, il y a eu beaucoup de trucage aussi. Hein. C'est pas... Quoi comme trucage? Bah, des gens sont couchés, tu as touché de l'argent, on le sait, on sait tout. Hein. Ah bon? Alors pas de ça avec nous, pas de champion. Ici, il n'y a pas de champion. Ça que va, des Jean-Marc? Hommes. Ça va, très bien. Il n'y a que des tricheurs à cette table. Alors Jean-Marc, le 3 avril dernier, vous êtes entré dans la légende de la boxe, où vous rejoignez Marcel Cerdan, Georges Carpentier, Alphonse Halimi.
En effet, dans la catégorie lourd-léger, les moins de 90,7 kg, vous avez unifié les deux titres de champion du monde, WBA et WBC. Voilà. Voilà. Vous avez quitté le ring avec deux ceintures mondiales sur les épaules. C'est dingo. Là, ça se voyait. Hein. Et bientôt la troisième, non? Ben ouais, j'espère la troisième, normalement, enfin cette année, ça doit se faire. Mais j'attends que les deux se rencontrent, les deux adversaires se rencontrent. Ouais. Ensuite... trois ceintures, ça n'a jamais été fait dans la même catégorie? En France, non. Ouais. Aux États-Unis, ils le font, c'est fréquent, mais en France, non. Voilà. Alors, ce qui est terrible quand on fait ce boulot-là de boxeur, c'est avant. Vous dites avant le combat, dans la chambre d'hôtel, c'est comme la cellule d'un condamné à mort. Ben, c'est vrai qu'on a le trac, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est vrai que ce combat, j'ai toujours voulu le faire. J'aurais pu me contenter de défendre mon titre contre un challenger officiel, ouais. Un challenger en sachant que j'allais gagner. Et c'est vrai que je rencontre quelqu'un d'invaincu qui a beaucoup de KO. Donc, on se pose des questions, forcément. Ouais. Et pourquoi en venir aux mains? En plus. Déjà, premier truc. C'est vrai que c'est un peu ridicule. Non, mais c'est vrai, vous n'avez pas beaucoup dormi la veille et pendant la sieste, vous n'arrivez pas à dormir, vous. Hein. C'est-à-dire que sur une sieste de 2 heures, vous dormez une demi-heure, quoi. Ouais. Bah, parce que je cogite beaucoup, je réfléchis beaucoup. Et c'est vrai que je m'étais beaucoup entraîné pour ce combat. Ça faisait 2 ans que j'attendais. Il y a eu beaucoup de reports. Quand ça devait se faire, j'avais été blessé. Et puis là, maintenant, ça arrive. Ça arrive, et puis c'est un peu pervers, un petit peu avant les combats, dans le sens que, bon, on se rencontre, l'adversaire il s'entraînait pour, ben aussi il veut gagner, parce qu'il veut ma ceinture, je fais la sienne, enfin c'est tout un truc. Qu'il fasse les soldes, c'est lamentable, tu vois, pas celle-là en particulier. C'est-à-dire que quand vous ne dormez pas, qu'est-ce que vous faites alors? Vous ne regardez pas la télé, non? Thierry, on ne peut pas dire ça. Même lui n'y tient pas. Il ne va pas dire je me tiens sur l'élastique. Non, une autre question, Thierry. Non, on ne pense pas se tirer sur l'élastique dans ces moments-là. Non, il faut garder son influx. Il faut garder son jeu. Ouais. Qu'est-ce que vous faites alors? Ben, je tourne en rond. C'est vrai, je suis dans la chambre, je tourne en rond. Vous appelez des potes au téléphone? Fait room service, on lui monte une femme de chambre, il est bourre la gueule. Il est chaud, le mec. Donc, qu'est-ce que vous faites? Ben, je prends le téléphone, j'appelle, enfin j'essaye de m'occuper. S'il y a un DVD, j'essaye de le regarder, même, mais bon, ça passe pas. Ça va pas, quoi. Vous dites ces insomnies, c'est des souffrances pires que de monter sur un ring. Ben, c'est vrai, le fait que... Une fois qu'on monte sur le ring, on sait ce qu'on a à faire. Il y a un adversaire, on prend des coups, on doit se défendre. Forcément, on n'y pense plus, parce qu'on sait vraiment ce qu'il faut faire. Mais là, de rester, d'attendre quelque chose qui n'arrive pas, c'est stressant. Alors déjà, quand vous étiez enfant, vous étiez insomniaque, puisque la nuit, vous réveilliez votre père, Fulbert, pour regarder des matchs de boxe à la télé. Donc c'est un truc qui date d'il y a longtemps quand même. Hein. Ouais. Parce que c'est vrai que mon père, il adore la boxe. Donc, on se levait ensemble pour regarder les matchs de boxe. Et puis, bon, moi, je disais que j'étais toujours pour le plus fort, c'est-à-dire pour Tyson, quand c'était Tyson. Et lui, il était pour l'adversaire. Et puis, on se faisait des paris comme ça. Ouais. Il était là, votre père, le 3 avril, non? Ouais, vous l'avez invité? Ouais. Putain, il devait être super content, là. Ben oui, mais je pense que c'est vrai qu'il le mérite bien. Et puis, c'est mon soutien aussi. Bon, il a toujours été avec moi, il m'a toujours encouragé. Aujourd'hui, ben, c'est la première fois qu'il vient... qui vient à un championnat du monde, donc là, c'était bien. Don King, il vous adore, hein? On va dire... Il a dit que vous étiez le plus grand boxeur de votre pays. On va dire, il m'aime bien pour l'instant, ce que je gagne. Ouais, faites pas d'illusions. Non, c'est un promoteur, c'est le plus grand promoteur au jour d'aujourd'hui. Et je crois que des boxeurs, il en a vu tellement passer, Tyson, Mohamed Ali... Ouais. Moi, je serai jamais Tyson ni Mohamed Ali, donc... On sait pas en même temps. Ouais, mais bon... Ouais. Tyson, plus jeune champion du monde, Mohamed Ali, le roi de la boxe, donc ça y est, je sais maintenant. Vous regrettez pas d'avoir quitté Akariès pour Don King comme manager? Non, je peux pas regretter. C'est pas possible aujourd'hui de regretter. J'ai réalisé un truc en quelques années, il a pas pu le faire, et puis même, je vais à fond dans ce que je fais. J'ai des combats, des vrais challenges que je veux moi, que j'ai toujours voulu, donc je peux pas regretter. Pourquoi vous avez quitté Akariès?
Déjà, il baisait plus depuis 2-3 ans, on peut le dire. C'est important dans la vie d'un couple. Hein. Non, c'est vrai qu'on ne s'entendait pas. Moi, je voulais faire justement ces challenges-là, ouais. Faire des réunifications, rencontrer des gens comme ça, prendre deux ceintures. Ouais. Je pense que c'est ça aussi. Je veux dire, à la base, quand on commence un sport, peu importe le jeune, il rêve d'être un champion, il rêve d'être... Et moi, je voulais faire des combats. À Carrière, je ne vous proposais pas des combats, c'est bon pour vous? Si, il me proposait des combats. Mais bon, après, il y avait... Il y avait, on va dire, quelques complications avec ouais. lui sur des points qu'on ne s'entendait pas. Non, parce que vous dites, quand je montais sur le ring, je ne savais pas combien j'allais être payé. C'est-à-dire que, bon, au départ, j'étais avec un autre promoteur qui était Gérard Tesseron. Donc, je suis passé avec les frères, je suis passé avec Acariès. Donc, moi, bon, c'est vrai, il m'a fait, grâce à lui, je suis devenu champion du monde. Mais il voulait que je signe un contrat. Mais sur ce contrat, j'avais le droit à rien. Donc, à un moment donné, j'étais obligé de lui dire que, Gérard, je n'ai pas besoin d'être avocat pour savoir que je ne signe pas un truc comme ça. Donc, le fait qu'après, bon, je boxais, mais il me disait à chaque fois, après le combat, bon, alors combien tu veux ? Ouais. Je lui dis combien je mérite. Donc, c'était ça, quoi. Ouais. Dunking, il vous dit avant combien vous allez gagner ? Ah non, Dunking, je pense. Après, c'est pas pareil, parce qu'aussi aux États-Unis, il y a des lois. Il y a la loi Mohamed Ali, il y a des lois pour les boxeurs. D'accord. Il y a des gens qui surveillent ça, donc automatiquement, on doit savoir combien on est payé, il y a des conditions, j'ai des billets d'avion, enfin j'ai... Remboursement des soins dentaires. Les limousines à Las Vegas, hein. Il y a ça aussi, c'est il y a bon. Une considération, on va dire, ouais. plus une ouais. considération pour ouais. ça. Alors quand vous avez décidé de quitter la carrière, vous avez été très mal vu dans le milieu en France, tout le monde t'a dit, ouais, tu vas faire comme Tiozo qui est aussi allé chez Dunking, tu vas te planter. Et cette rancune que vous avez accumulée contre la France, d'une certaine façon, aujourd'hui, ça vous sert de carburant dans vos combats ? Je veux dire, non, c'est vrai que, on va dire, ça m'a servi au jour d'aujourd'hui. Maintenant, c'est le passé, c'est derrière moi. Michel, enfin, la carrière, c'est le passé. Je veux dire, bon, c'est vrai que ça m'a permis d'avancer, de dire j'avais raison, en fin de compte. Ouais. C'est vrai que j'ai eu l'impression qu'à un moment donné, ou peut-être aussi que je me suis mal exprimé, peut-être que je n'ai pas été compris... je t'ai boycotté. C'est vrai que j'ai fait deux championnats du monde, un à Las Vegas, un en Afrique du Sud, et ça n'a pas été retransmis. Ouais. Les médias, ils ne se déplaçaient pas. Oui, c'est vrai. Il y avait maintenant, vous êtes raison. Sur TPS Star, hein. Ça va. Voilà, bon. Maintenant, il y a une chaîne de télé, mais surtout, après, la presse écrite aussi, elle s'est intéressée au combat. Et donc, en fin de compte, à la fin, ouais, j'ai raison. Moi, je trouve... Très bon. Et tu veux l'embrasser sur la bouche. On sait, Thierry, on sait. Car on a un bâton tout de suite, on va gagner 20 minutes. Eh oui. C'est non. Dingue, mais est-ce qu'il est d'accord? Non. Ah, bah, mais, voilà, il est d'accord. Qu'est-ce que tu veux dire? Merci. Non, mais sérieusement, je vous trouve très doux. Oh, très. Et encore, t'as rien vu? C'est dingue. Faut l'essayer. Vous trouvez pas? Non, Christine. Christine, le mec, il est champion du monde de boxe. Il y a quelque chose qui m'étonne. C'est quoi? Comment se fait-il? Il a le visage, il n'y a pas une trace de ouais. cicatrice, ouais. de rien. C'est son frère qui boxe, c'est des jumeaux, je t'explique. C'est des combines la boxe, c'est compliqué. Hein. Ils sont peut-être deux en fait. Ouais. Non mais c'est vrai, vous êtes à la fois pas marqué et très doux, très tendre. Il n'est pas cassé nulle part. Est-ce que vous arrivez à être méchant quand vous êtes sur le ring? Il a un visage d'ange. Tu fais les gros yeux? Fais les gros yeux. Non mais je vois pas comment vous pouvez être méchant. Après c'est mon métier, je veux dire on a cette agressivité parce que j'ai quelqu'un qui est là pour me frapper, me faire mal. C'est l'autre qui a commencé. Automatiquement. Si c'est pas l'autre qui commence, je suis sûr que lui le fera pas. Non, lui c'est un bon gars, ça se voit. Bien sûr. Alors, on va faire une interview tendresse. Alors, Jean-Marc, il s'appelait comment, votre premier ours en peluche? Vous en souvenez, votre petit nounours? Michou. Non, j'avais pas de nounours. Vous n'avez pas de nounours en peluche? Non. Ça a été dur quand on vous a dit que le Père Noël n'existait pas? Je me demande si j'ai vraiment cru. Je sais pas, non. C'est-à-dire, Acariès, Dunking et le Père Noël, je n'ai jamais cru. Quoi. D'accord. Et Rocky Balboa, quand on vous a dit qu'ils n'existaient pas, ça vous a fait de la peine? Pour moi, il existe quelque part. Ah, d'accord. Ça vous a touché, la mort de la maman de Bambi? Tué par le chasseur. Tué par le chasseur, oui. Ça vous a fait de la peine? La mort, ça fait toujours de la peine quand quelqu'un part. Vous avez déjà dit « je t'aime » à votre maman? Bien sûr. Vous lui faisiez quoi comme cadeau à votre maman quand vous étiez petit? Des bourre-pifs, tiens. Quand j'étais plus petit, j'étais à l'école, on faisait des dessins, je ramenais des dessins. Quel film vous a fait pleurer pour la dernière fois, Jean-Marc? Non, moi, un film qui m'a touché, c'est Le Pianiste. Ah ouais.
C'est dur avec des gants. C'est un très très beau film. Mais surtout ce passage-là. Quel endroit le plus romantique où vous ayez fait l'amour, Jean-Marc ? Pourquoi tu parles comme ça ? Mais parce que je suis tendre. L'endroit le plus romantique où vous ayez fait l'amour. Je sais pas, j'ai pas de souvenirs. J'sais peut-être que souvenir. Jean-Marc n'a pas encore fait l'amour. Jean-Marc, jeune, c'est un sportif qui se réserve. C'est un gros bébé. C'est un gros bébé qui n'a pas encore fait Jean-Marc, l'amour. Jean-Marc, t'es puceau. Bah dis-le, je suis puceau, il n'y a pas de honte. Hein. On va te trouver une fille. Dis, je veux une fille. On va me trouver une fille. Est-ce que vous avez déjà pleuré pour une fille, Jean-Marc, sérieusement ? Comme une fille, sérieusement, oui. Sérieusement ? Non. Non, non. Et pour un garçon ? Moi. La dernière fois que vous avez eu peur, c'était pourquoi ? Quand ton short s'est décousu. Raconte, raconte, chérie. La dernière fois, peut-être un peu pour ce combat, quand même. Ouais, ah ouais. Peut-être un peu, parce que je me suis rendu compte, c'est vrai que je voulais tellement de faire, mais après, qu'on arrive jusqu'au... qu'on arrive à la dernière minute, on se dit, ouais, mais peut-être aussi, je peux tout perdre. Et je pense que, ouais... Là, vous seriez rentré en France, grave. Ouais. Ouais. Et là, ouais, j'ai eu peur. Si vous aviez une baguette magique, quel serait votre premier vœu ? Premier vœu, c'est tout ce que je vois, toute la misère des fois que je vois à la télé avec les gens, les jeunes, enfin les enfants. Ouais. Qui est plus de ça ? Quoi, plus de télé ? Non. Vous aimeriez avoir combien d'enfants, vous ? Deux. Vous voulez un bisou ? Je peux emporter un élément du décor. Ah, vous pouvez inventer un élément du décor. Eh, ma fille, oui. Patrick, je vous laisse filer. Et oui. Patrick Timsit, un fil à la patte. Salut mon Patrick, à la prochaine. Je vais pas des années. Au revoir, bon courage, à la troisième. Salut Patrick. C'est pas bien testé encore. Merci. Bien. Là, vous restez tous les deux. Tu sais, c'est bien, là. Ça serait bien un mec comme Jean-Marc pour toi. Un peu bodyguard. Ouais, un peu bodyguard. Ah, t'as touché les muscles. Ah, ma vu frère, c'est pas t'as vrai. Vu ah oui, t'as vu. T'as rien vu encore. Ah ouais. Ah là, c'est impressionnant. Hein. Ah ouais. T'as non, touché juste les obliques. Non, mais est-ce juste... que t'as touché? Non, non, merci. Je ne mange pas de ce pain-là. À mon avis, t'es complexé à vie, là. Ouais. T'es mal. Je fais juste un bras de fer pour montrer qu'il n'y a pas... Allez, voilà, attends. Tiens, allez, allez, allez. Il est plus fort que moi, ça arrive. Voilà, ça m'était jamais arrivé, je suis le premier surpris. J'accueille Agnès, Bastien, Thierry. Bonsoir. Alors Agnès, de Marnac, Bastien, Thierry, vous êtes psychogénéalogiste, thérapeute, mais surtout fille du lieutenant-colonel Bastien Thierry, fusillé le 11 mars 1963 au fort d'Ivry. D'ailleurs, elle était la dernière personne fusillée en France. Fusillée pour avoir tenté d'assassiner le général de Gaulle au Petit Clamart, 6 mois plus tôt. Alors, pendant 30 ans, vous avez oublié ce père.
Vous aviez 3 ans quand il a été fusillé. On n'en parlait pas beaucoup chez vous, avec votre mère et vos sœurs. Et puis, à l'âge de 40 ans, vous ressentez une véritable souffrance et vous décidez de retrouver ce père. Cette enquête, cette quête, on pourrait dire, vous en avez fait un livre qui paraît chez Michalon et qui s'appelle « Mon père, le dernier des fusillés ». Voilà. Oui. Alors, les seuls souvenirs que vous ayez de votre père, Agnès, c'est quand vous alliez le voir au parloir. Vous aviez 3 ans. 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans, oui. Et quels souvenirs vous gardez de lui ? Je me souviens, donc, je tenais la main de ma mère et on attendait pendant des heures devant la porte de la prison de la santé. Et puis enfin, on pouvait rentrer. Il y avait tout un pèlerinage à faire avant de rentrer dans le parloir où mon père nous attendait derrière la vitre. Je me souviens. C'était terrible parce que j'étais donc une petite fille de 2 ans et demi, 3 ans. Quand j'arrivais dans ce parloir, c'était la fête parce que c'était le seul moment où je retrouvais mon père. Et le voir, j'avais envie qu'il me prenne dans ses bras, je riais, je tapais du pied. Enfin, j'étais une petite fille très, très heureuse de le voir. Et je me précipitais vers lui et il y avait cette vitre qui nous séparait désespérément. Alors, ce qui est le plus incroyable dans cette histoire, c'est comment un homme comme votre père, c'est-à-dire polytechnicien, issu d'une famille de militaires, a pu en arriver là. Pourquoi est-ce que votre père a décidé plusieurs fois, parce qu'avant le petit Clamart, il y avait eu la tentative de Pont-sur-Seine, pourquoi a-t-il décidé d'assassiner le général de Gaulle ? Oui, c'est très étonnant de savoir qu'un homme polytechnicien qui était l'inventeur de missiles très sophistiqués, le SS-10, SS-11, qui a été décoré de la Légion d'honneur, qui était marié, père de 3 enfants, qui avait une carrière éblouissante et qui aurait pu terminer général. Sans doute. Eh bien, il a fait ce choix parce qu'il s'est révolté contre l'abandon du peuple algérien. Et c'est quelque chose qui l'a fait terriblement souffrir. Il a décidé d'agir, il a décidé de prendre position et de faire quelque chose. Oui, c'est-à-dire que c'est l'abandon, d'après l'abandon, lui, c'est l'abandon de l'Algérie par la France, le sort réservé aux pieds noirs, le sort réservé aux harkis. Ça l'a révolté, il a décidé d'abattre le responsable pour lui de ça, le général de Gaulle. Pour lui, le seul responsable, c'était donc le général de Gaulle qui avait trahi sa parole. Et lui, en tant que militaire, il n'a pas toléré qu'un militaire comme le général de Gaulle trahisse et ne respecte pas sa parole. Alors, effectivement, votre père était chrétien, donc on comprend mal qu'il ait voulu assassiner quelqu'un. Et d'ailleurs, vous dites dans votre livre, c'est un des points que vous soulevez, vous dites qu'en fait il était opposé à l'assassinat du général de Gaulle, que lui voulait seulement l'enlever. Il voulait l'enlever pour le juger. Ce qu'il y a, c'est qu'il était membre du CNR, le comité... Il n'était pas dans l'OAS, il n'était pas dans l'OAS. Mon père n'a jamais... Il était membre du CNR, le comité national de la résistance, qui avait été créé par Jacques Soustelle et Georges Bidault, qui étaient des grands gaullistes pendant la guerre. Oui. Et donc il y avait une espèce de légitimité, disons, pour eux. Donc il n'a jamais fait partie de l'OAS, et là il y a une confusion. Très souvent, on l'associe à l'OAS, et Bastien Thiry n'a jamais fait partie de l'OAS. Il faisait partie donc de ce Conseil national de la résistance. Il avait reçu l'ordre d'abattre le général de Gaulle. Et lui, en tant que militaire, il a essayé d'obéir aux ordres. Mais il y a eu quand même 6 tentatives d'attentat. À son procès, mon père a dit « c'est bien la preuve que je n'ai pas voulu tuer de Gaulle ». Moi, je pense qu'au moment de l'attentat du petit Clamart, quand il a vu la voiture présidentielle arriver, il y a eu cette sorte de dualité en lui, à la fois le côté militaire qui a le sens de la parole donnée et qui doit obéir aux ordres, et d'un autre côté, cet homme profondément chrétien avec des fortes valeurs morales et qui avait un sens très profond du respect de la vie humaine. Et je pense que là, à ce moment précis, ça s'est joué à quelques secondes près, il n'a pas pu. Et il a suffi de quelques secondes pour que le signal ne soit pas donné. C'est lui qui devait donner le signal. Christine. Alors vous dites, le jour de l'attentat, les tireurs, effectivement, c'est ce que vous dites, avaient comme consigne
oui. de crever les pneus de la voiture oui. de façon à enlever le général de Gaulle oui. et à le juger, effectivement. Mmh. Et Vatin, dit la boiteuse, qui était mmh. un des mecs du commando, désobéit et lâche une rafale à la hauteur mmh. de la tête des passagers de la DS-19 mmh. Occupée fait. Par le général de Gaulle. Oui. D'ailleurs, donc il a été raté, le général de Gaulle, de très peu, oui. et il a dit après, ces gens-là tirent comme des cochons. Oui. Ouais. Et Vatin a dit, j'ai désobéi aux ordres. Ouais. En tirant ouais. plus haut, justement, il a désobéi aux ordres du chef. Alors, quand votre père est arrêté, il se justifie oui. en disant que c'est pour servir l'intérêt national. Et finalement, pour justifier son acte, il dit que c'est un petit peu comme l'attentat contre Hitler en 1944. Oui, oui, oui. Oui, bon, il a fait cette comparaison. Je crois qu'il en a parlé également à son procès. Alors, procès. En tant que catholique, il disait que l'Église catholique admet les tyrannicides. Mmh. C'est-à-dire que quand quelqu'un devient un tyran, il est du devoir des catholiques de le tuer. Donc c'est bien que quelque part, il reconnaissait quand même qu'il y avait un attentat qui se préparait, un attentat meurtrier. Ah oui, tout à fait. Et encore une fois, je suis sûre qu'il avait reçu des ordres. Et les ordres qu'il avait reçus du CNR, c'était, sa mission, c'était d'abattre le général de Gaulle. D'accord. Mais bon. Alors au procès, ce qui est extraordinaire, c'est que votre père est oui. plus intéressé par l'idée de faire passer sa vérité oui, à lui, son oui. message, plutôt que d'assurer sa défense. Il a été très, oui. très léger dans sa défense, non ? Oui, il ne cherchait pas du tout à se défendre. Et c'est vrai que dès le début du procès, les avocats ont dit que les cartes étaient déjà jouées ouais. à l'avance. Hein. Et mon père n'a rien fait pour se défendre. Et d'ailleurs, à un moment... Il s'est moqué du général de Gaulle en disant, quand on lui a demandé qu'est-ce que vous auriez fait si le général de Gaulle s'était débattu au moment où on l'arrêtait, il a dit on lui aurait enlevé ses lunettes et ses bretelles. Et ouais. toute la salle et toute la France a ri. Ouais. Et à ce moment-là, un avocat a dit il a signé sa peine de mort. Connaissant de Gaulle, oui. Ouais. Alors il a été condamné à mort, il s'était trois condamnés à mort. Les deux autres ont été graciés et lui a été fusillé. Il a été peut-être fusillé, pour ça d'ailleurs, oui. peut-être parce oui. que de Gaulle était profondément humilié par cette réflexion. Oui, il a été fusillé devant une cour militaire, une cour d'exception. Hein. C'est une cour qui a jugé sans appel. Mmh. Et bon, il faut pas l'oublier ça. Ouais. Il a été jugé devant une cour de juridiction d'exception. Exceptionnel. Il a refusé qu'on lui bande les yeux. Hein. Oui, oui, au moment où le peloton a tiré sur lui, il a refusé d'avoir les yeux bandés. Ouais. Et il a regardé les hommes qui tiraient sur lui droit dans les yeux. Ouais. Alors voilà, la dernière fois que vous avez vu votre père, c'est Palais de Justice, hein, vous l'avez dit. Au Palais de Justice, c'était début mars, c'était avec mes sœurs et ma mère. Et en fait, j'étais pratiquement la seule à pouvoir aller voir mon père en prison, parce que mes sœurs avaient donc à l'époque 7 et 6 ans, et elles pouvaient comprendre. Moi, comme j'avais 2 ans et demi, 3 ans, ouais. bon, le fait on m'emmenait en prison, je ne ouais. posais pas de questions. Mes sœurs auraient pu poser des questions. Et à l'époque, on leur a fait croire qu'il était contagieux. Ouais. Oui, et puis dans un hôpital militaire. Ouais. 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 Et donc, le juge Reynaud a accepté qu'il voie une dernière fois ses enfants. Ouais. Et donc, il nous a reçus dans son bureau. Où mon père se trouvait sans menottes, sans garde. Et à ce moment-là, ça a été un grand bonheur. Ça a été notre dernière... Il n'y avait plus la vitre, là. Il n'y avait plus la vitre. Ouais. Il nous a pris dans ses bras, les unes après les autres. Il nous a serrés. Et ça a été un moment exceptionnel. Mes sœurs s'en souviennent, moi, non. Parce que je pense qu'une scène aussi traumatisante... Vous l'avez effacée. Je pense que je l'ai effacée. Ouais. Je l'ai occultée. Et... Donc ça a été très bref comme scène, mais très intense. Et après, il nous a dit au revoir. Et, ouais. et je sais qu'en retournant dans sa cellule, il pleurait. Il pleurait parce que c'est la dernière fois qu'il voyait ses enfants. Alors votre mère a dit, papa est mort pour la France. Ouais. Ce qui fait que vous avez été élevé là-dedans, quoi, dans cette espèce de culte. Voilà. Ouais. Alors, ce qui est terrible, c'est le côté Hassan II du général de Gaulle. C'est-à-dire que... Il a tout fait pour que votre mère n'ait pas de pension. Oui, à quelques semaines près, elle pouvait avoir une pension. Oui. Donc, ce qui fait que non seulement votre père a été fusillé, mais qu'en plus, votre famille a été réduite à la misère. Et si votre mère a pu acheter sa maison de Bourg-la-Reine,
C'est grâce aux dons qui sont arrivés de gens qui partageaient les idées de votre père. Oui, exactement. Oui, du jour au lendemain, ma mère s'est trouvée sans ressources. Elle a dû rembourser les frais du procès. Et elle n'a eu le droit à aucune pension. Ouais. Et c'est vrai que les droits de pension se sont joués à 15 jours, alors que les heures de vol de mon père auraient dû compter. Oui, bon. Bien sûr. Donc, il y a eu vraiment une fatalité qui est tombée sur nous. Certains hommes de notre famille ont eu leur carrière brisée. Ouais. Ça a été terrible pour mes sœurs et moi, surtout mes sœurs aînées qui ont dû changer d'école en cours d'année, inscrites sous un pseudonyme. Ça a été, mais il faut vraiment se remettre dans le contexte. Oui, à l'école, on disait la fille de l'assassin, quoi. Voilà, oui, on disait la fille de l'assassin, la fille de Bastiatiri. Et elles ont dû être inscrites, je vous dis, sous un pseudonyme, parce que pour éviter les réflexions des petites amies. Alors, De Gaulle, en plus, le respectait, votre père. Il disait, c'est le plus intelligent de tous, parce qu'il le comparait aux généraux du putsch qui jouaient au ballon dans la cour de la prison de Tulle, en disant, il n'est pas comme ces connards qui jouent au ballon à Tulle. Il le respectait. Et en fait, quand on lui demandait pourquoi il l'avait fait fusiller, il disait, les Français ont besoin de martyrs, ça fera un martyr. Quoi. Ouais. Donc, il y avait une espèce aussi de cynisme de la raison d'État. Aujourd'hui, vous avez honte ou vous êtes fière de votre père ? Je suis très fière de mon père. Et tout ce travail que j'ai fait, qui a duré 4 ans, j'ai mis 4 ans à écrire ce livre, ça m'a permis d'avoir un nouveau regard sur ce père que je connaissais si peu. En fait, pendant toute ma jeunesse et toute mon adolescence, j'ai un peu rejeté l'existence de ce père. Je connaissais très peu, je savais pratiquement rien sur lui, j'avais jamais rien lu comme livre. Et c'est autour de la quarantaine que j'ai décidé vraiment d'aller à la découverte de mon père. Mais pourquoi vous êtes fière de lui ? Parce que ce qu'il a fait, c'est courageux, certes. Oui. Enfin, c'était au nom d'une idéologie obsolète. C'est-à-dire que l'Algérie ne pouvait pas rester française, l'Algérie ne pouvait pas rester des départements français. Il fallait que l'Algérie soit algérienne. Donc ça, voilà, ça, c'est indéniable. Donc vous êtes fière de quoi aujourd'hui ? Je suis fière de mon père, parce que je crois qu'on peut toujours être fière. Et s'il avait réussi, vous seriez aussi fière aujourd'hui ? Oui, parce que d'abord c'est mon père, et puis je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour le condamner, je suis là pour le comprendre. Et mon livre, c'est ça, l'objectif de mon livre, c'est cette quête que j'ai menée, ce puzzle que j'ai essayé de reconstituer pour essayer de comprendre. Comment justement un homme de cette valeur qu'on appelait le jeune von Braun français, c'est vrai. Et les Américains voulaient de lui, et ils lui disaient que quand Bastiatiri aurait terminé sa peine, il lui donnerait tous les moyens en même temps, travailler sur des projets. En même temps, il a flingué une carrière qui aurait pu être, exceptionnelle. Vous pensez quoi du général de Gaulle, Agnès? Le général de Gaulle, il est ce qu'il est, il a fait des grandes choses, mais l'affaire Bastiatiri, quand même, reste une tâche. Il ne faut pas l'oublier, ça. Attendez, il a quand même tiré sur lui. Quelqu'un qui essaye de vous assassiner, c'est normal quand même qu'on se défende, non ? Oui, mais il était catholique, de Gaulle. Oui. Il n'était pas obligé de rendre la loi du talion, il pouvait le gracier. Oui. Et c'est vrai que quand Maître Richard Dupuis est allé demander la grâce de Bastiatiri, il lui a dit « Mais vous ne pouvez pas faire une veuve de plus et trois orphelines dans cette galère d'Algérie. Votre religion vous le défend. » Certes. Et il s'est adressé aux militaires. Parce que un autre avocat de la Défense disait « C'est une affaire entre militaires, d'homme à homme. » Rien n'y a fait, quoi. Rien n'y a fait. De Gaulle a été inflexible. Inflexible. Regardez, quand on compare le pape qui est allé embrasser Ali Aksa en prison, il ne l'a pas gracié et il a fait trois orphelines et une veuve. Ça, il n'a pas été très chrétien. Il n'a pas été très chrétien. Pas gentil. Non. Vous êtes sûr qu'il voulait seulement l'enlever et pas l'assassiner ? Moi, je ne peux pas répondre à sa place, je ne peux pas me mettre dans la peau de Bastiatiri. Mais moi, je pense qu'un homme de cette valeur, un homme profondément chrétien, avec des convictions morales, n'a pas pu tirer sur un homme, sur une vie humaine. Pour le savoir, Agnès, on va accueillir maintenant quelqu'un qui a participé à l'attentat du Petit Clamart, qui était avec votre père à cette époque-là, c'est Lajos Marton. Thank you.
bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, messieurs. Alors, Laïos Martin, vous avez publié au Rocher en 2002 un livre qui s'appelle « Il faut tuer De Gaulle ». Pour vous, l'intention de l'attentat du petit Clamart, c'était bien de tuer De Gaulle, c'était pas de l'enlever. Oui. Vous êtes sûr de ça? C'est la première... Oui. Vous dites d'ailleurs, finalement, le fait qu'au premier attentat à Pont-de-Seine, il y ait une bombe. Oui. Ça, on ne met pas des bombes pour enlever les gens, on met des bombes pour les tuer. Donc ça c'est une chose. Oui, mais il faut voir ce qu'il y avait dans la bombe. D'ailleurs, ça n'a pas marché. Des confettis. Hein, l'artificier, c'était de très mauvaise qualité. Et quand on pense que mon père, quand même, dirigeait des projets très sophistiqués, des missiles. Bon, cette bombe, et Belvisi le décrit dans son livre, c'était fait... C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est qu'en fait, la bombe du premier attentat de Pont-sur-Seine était en fait une bombe... qui n'était pas destiné à tuer, c'est ce que vous dites. Ce que je veux dire, c'est que mon père voulait sa tribune pour être entendu du peuple français. Mmh. Voilà. Donc, en effet, les ordres étaient donnés, l'ordre était donné de tuer le général de Gaulle, mais lui, il a tout fait, quelque part, pour le gracier. Pourquoi ? Parce qu'il voulait sa tribune. Il voulait son procès pour être entendu. Il voulait le retenir et pouvoir parler, l'avoir en otage. Oui. Vous êtes d'accord avec ça, Laïos ? Non. Malheureusement, chère Agnès, je dis ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, et l'ordre qu'on nous avait donné. Vous dites d'ailleurs, Laïos, que quand vous avez rencontré Bastien Thiry, entre l'attentat du petit Clamart et le moment où lui-même a été arrêté, ce qui a pris un peu de temps, vous dites qu'il vous parlait encore de tuer le général de Gaulle. Il a dit, voilà, il a posé la question à tous ceux, à toutes les personnes du commando qu'il pouvait voir, d'après vous, pourquoi on a raté? Alors je lui ai énuméré les raisons. Visibilité n'était pas extra, et puis une pluie fine commençait à tomber. Donc il était là, c'est lui qui donnait l'ordre de tirer en ouvrant... le journal. Évidemment, aujourd'hui, ça passerait autrement avec les téléphones mobiles. Et c'est Bernier, qui était notre chef de voiture, une estafette, qui était le plus puissant armé, deux fusils mitrailleurs type 24-29 qui fonctionnaient très bien. Nous, on avait des pistolets mitrailleurs. Moi, j'avais un pistolet mitrailleur Thompson. Mais pourquoi vous n'êtes pas arrivé à le tuer alors, Thompson, de Gaulle? Encore. Parce que le signal a été donné trop tard. C'est quelques secondes, trop tard par votre père. Justement, ce qui vous permet de dire qu'en fait, votre père... Il y a eu un moment d'hésitation. Un moment d'hésitation. Ce que vous dites, c'est que quand on dit que Bastien Thiry voulait simplement enlever le général de Gaulle, c'est en fait quelque chose qui a été inventé par la défense au procès. C'était un système de défense des avocats. Je vous donne ma parole que je n'ai jamais entendue. Au premier briefing, c'était au mois de mars 1962, où Max, alias Alain de la Tournée, le lieutenant qui était notre chef, il y avait une grande table avec des petites voitures. Et déjà, quand il nous a annoncé l'opération Charlotte Corday, quelqu'un qui connaît l'histoire de France, Charlotte Corday n'est pas allé pour chasser les mouches. Donc vous, ce que vous dites, c'est que l'enlèvement, c'est une idée qui a été inventée... Système de défense des avocats. ...par les avocats... Vous dites que si Agnès dit ça aujourd'hui, c'est peut-être c'est parce tout qu'elle à a fait envie, son honneur, elle a envie d'avoir son père, non pas comme un assassin, mais comme quelqu'un qui voulait simplement enlever le général de Gaulle. Et vous dites même que Bastien Thiry disait à ses avocats, moi je ne veux pas mentir, je veux dire la vérité. Il a dit, je ne veux pas accepter parce que ce serait une lâcheté de ma part. Et les avocats ont insisté, vous connaissez la mentalité des avocats, ils veulent sauver par tous les moyens leurs clients. C'est leur boulot. Quand les avocats, un des avocats peut-être, Richard Dupuis, qui lui avait dit, ne faites pas pour vous, mais faites pour votre commando. Donc vous, vous dites que De Gaulle devait être abattu par devait le commando. Devait être tué, oui. Il n'y avait pas d'histoire d'enlèvement. Absolument pas. Vous, vous êtes hongrois. Oui. Vous avez beaucoup souffert, évidemment, dans votre vie du communisme. Vous avez participé en 1956 au soulèvement de la population hongroise, en particulier à Budapest. Vous êtes réfugié en France. Et alors... Vous êtes mêlé à cette histoire de tuer De Gaulle parce qu'en fait, pas du tout pour l'Algérie, vous. Vous, c'est parce que vous pensez que De Gaulle était un allié du communisme, était un allié de Moscou. Je ne pense pas, hein, monsieur Addison. Je cite des faits historiques. Vous dites que pendant la guerre, De Gaulle a été en contact avec un général russe et qu'il a déclaré que le communisme était l'avenir de l'humanité. La première guerre mondiale, il était à Ingolstadt, dans un camp de prisonniers, où il était
avec le futur maréchal Tuachevski. D'ailleurs, De Gaulle a fait pas mal de déclarations, mais je voulais citer un fait historique. De Gaulle est allé en novembre-décembre 1944 à Moscou, oui, pour faire, je le cite, la belle et bonne alliance avec Staline. Bah, c'était la seule façon de se débarrasser des nazis. Mais, monsieur Addison, soyons normalement renseignés. Fin 1944, oui, l'Allemagne était battue, archi-battue. Alors, De Gaulle, qu'il puisse dire au mois de décembre 1944 qu'avec Staline, c'est-à-dire la forme le plus abominable, le plus criminel du communisme, la belle et bonne alliance, alors on dit, Marton était intoxiqué parce qu'il pensait, on lui a dit, moi, j'attendais pas qu'on me dise quoi que ce soit. Alors, ce que vous révélez dans votre livre qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il y avait une taupe de l'OAS, oui, dans l'entourage du général De Gaulle, Jacques Cantelaube, qui était contrôleur général de la police, oui, qui était au courant de tous les déplacements du général De Gaulle. Donc évidemment, c'était ça, ça permettait de toutes ces tentatives, oui, d'attentats. C'est une révélation que vous faites. Alors, pourquoi est-ce que De Gaulle a toujours été raté dans ces attentats quand même? Parce qu'il y en a eu un paquet. Je ne dis pas que c'était un miracle, parce qu'au Petit Clamart, nous avons tiré à peu près 150 coups de feu. Bah dis donc. 150. Et il y a une demi-douzaine d'impacts dans la voiture de De Gaulle. Donc... C'est un miracle, alors. C'est le hasard de la guerre, si vous voulez. Vous avez été condamné à mort par contumace, oui, et ensuite vous êtes revenu, vous avez été jugé, vous avez été condamné à 20 ans. 20 Sur ans. Ces 20 ans, vous avez fait combien? 4 ans, 6 mois et 12 jours. Qui vous a gracié? De Gaulle. Mais cool. Peut-être pourquoi? Pourquoi? Faut savoir. Le remords de ne pas avoir gracié son père. Non, je crois pas, non. De Gaulle, non, il n'y avait pas de je remords. Crois que De Gaulle n'avait jamais dans sa vie un remords. Ouais. Parce non. que... La façon, comme disait Agnès, ouais, il était mesquin, il était imbu de sa personnalité, c'est... Il l'aime pas. Non mais attendez, sérieusement, alors voilà. Aujourd'hui, oui, vous regrettez d'avoir participé à l'attentat du Puy-Clamart ou non? Non, je suis fier d'avoir mis... Ah, vous regrettez pas, ah ouais. À la disposition des officiers français qui me considèrent comme leur frère. Ouais. Et les Pieds-Noirs aussi. Imaginons... Si De Gaulle avait été tué ce jour-là au Petit Clamart, oui, qu'est-ce qui se serait passé? Il y aurait eu qui à la tête de la France? D'après mes renseignements, on aurait constitué un gouvernement de salut public, ouais, avec les généraux, et ça aurait évité pas mal de massacres. Moi, je dis que c'était une abomination, c'était un nettoyage ethnique avant l'heure, 1 million, même plus d'un million de pieds noirs qui étaient jetés au dehors. C'était inadmissible. C'est et De Gaulle a fait la guerre, pas contre les Allemands. Il a fait la guerre contre d'autres Français. Bien. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour du problème. Oui. Merci Agnès, merci d'avoir été merci. Avec nous. Merci Laïos d'avoir été avec nous. Vieilles histoires qui sont pas réglées. Je devais avoir 12 ans quand il a été fusillé. Et un jour, mon père est arrivé à la maison avec un disque 33 tours, très impressionnant, sous forme de faire-part. Et dedans, il y avait tout le procès de Bastien Thierry. Et à la fin, ça se terminait, on entendait le... Ouais. Oh, je me rappelle, ça m'avait marqué, ouais, ça. Ouais. Ouais. Et maintenant... Voici Benjamin Biolay. Alors Benjamin Biolay, vous sortez un nouvel album qui s'appelle À l'origine, où vous opérez un changement radical pour vous mettre dans la peau d'un jeune homme en colère. C'est très nerveux, c'est très énervé. Un brin parano, on pourrait dire. Ouais, ouais. Pourquoi? Parce que vous en avez marre. Un petit peu, non mais... Alors je vais vous dire ce dont Benjamin Biolay a marre. Vous en avez marre, d'abord,
des mauvaises critiques sur votre album précédent, Home, avec Chiara Mastroianni, très mal accueilli, ça vous énerve, vous en avez marre. Vous en avez marre qu'on dise que vous profitez de votre femme, Chiara Mastroianni. Vous en avez marre qu'on dise que vous êtes pistonné par votre belle-mère, Catherine Deneuve. Vous en avez marre d'être comparé à Serge Gainsbourg. Vous en avez marre qu'on dise que vous êtes prétentieux et arrogant alors que vous êtes seulement timide. Il y en a pour longtemps, je peux pisser pour un moment. Il y en a beaucoup, il y en a marre encore. Non, on arrive au bout, Laurent. On arrive au bout. Je me retiens, t'es sûr, je me retiens. Vous en avez marre qu'on dise que vous êtes prétentieux et arrogant alors que vous êtes seulement timide. Arrive à la coiffure. Vous en avez marre. Oui, c'est vrai. Il en a marre aussi. Il en a marre. Terminons cette boucherie. Il en a marre. Il en a marre d'Henri Salvador qui le déteste. Vous en avez marre de la nouvelle chanson française. Delerm, Benabar, vous dites que ce sont des frustres. Tu m'as baisé, là, j'aurais pu aller pisser. Hein. Non, c'est fini. Ah bon? T'imagines de ce dont il a marre. Il en a marre. En résultat, vous êtes blessé. Un petit peu, disons que je me pose des questions. Ouais, non, mais... Et vous avez même envisagé d'arrêter le disque pour vous diriger... Comme Christine. Vers le roman ou vers le cinéma. Non, mais c'est vrai. Comme Christine, mais pile poil comme Christine. Il a pas des frégates, lui. Non. Non, mais j'ai des chaussures bien lotis. Non, j'ai pas. Vous en avez marre. Un peu, ouais. Non, il en a marre. Voilà. Non, mais c'est pas un moment très marrant parce que l'industrie est en train de se regarder le nombril en pleurant. Ouais. Puis un bon moment. Vous en avez marre. J'en ai ras le cul. Voilà. Essaye de faire comme toi. Il y en a marre. Non, mais c'est vrai. Il en a marre. Laurent. Ça m'a pris. Laisse-le répondre. Il en a marre. Ne l'énerve pas. C'est un virus. Parce que voilà, maintenant, il en a marre de toi. Il en a marre de toi. Ça le fait à tout le monde, regarde. Non, il en a marre de toi aussi, là. Non, ça va. Voilà. Non, sérieux, vous en avez marre. Vous en avez marre. Non, c'est pas un moment très rigolo, parce qu'il y a ces problèmes de téléchargement. Tout le monde fait la gueule en permanence. Tout le monde se tire un peu la bourre, parce que comme tout le monde a peur. Chacun débine l'un et l'autre, etc. Dans les maisons de disques, qui sont ouverts. D'une semaine à l'autre, les gens sont renvoyés, enfin, les bureaux sont vides. Ouais. Et du coup, c'est pas un moment super excitant pour faire de la musique. Moi, j'aime bien les trucs un peu marrants, quoi. Enfin. D'où l'idée, peut-être, de faire du cinéma ou un roman. Ou de la musique sous d'autres formes. De fermer la boutique quelques temps, le temps que l'air se purifie un peu. Exactement, ouais. Voilà. Ouais, ça paraît salvateur, parce que c'est vraiment un Henri moment. Tout le... Henri Salvateur. Ah non, ne lui parle pas. Non. Il y en a marre. Laurent, il en a marre d'Henri Salvador. Il ne parle pas d'Henri Salvador, il n'en peut plus d'Henri Salvador, ok? Et moi, je l'adore, c'est... Mais non, mais c'est vrai qu'il s'est mal comporté avec lui, Henri Salvador. Non, vraiment, hein? Ouais, mais ça va, ouais, non, mais ça va. C'était juste un petit tac, parce qu'il m'avait bien taclé dans la presse belge et j'avais trouvé ça un peu couard. Ouais. Il aurait pu le faire dans la presse française, par exemple. Oui, voilà. Mais c'est tout. On n'a pas de presse en France, non? Non, c'est vrai. Donc, voilà. Donc, vous sortez un album qui s'appelle À l'origine. C'est votre premier album autobiographique. Hein, et on sent effectivement un refus de cet environnement professionnel. Et puis aussi, une espèce de petite lumière au bout du tunnel. On sent quand même qu'il y a une possibilité de rédemption pour vous. Comme une loupiote au loin. Ouais, c'est ça. Oui, il fréquente les églises, il voit une petite lueur un peu bizarre qui s'appelle la croyance. Peut-être qu'il y a une possibilité de rédemption chez vous. Peut-être, ça fait partie du truc. Peut-être. Donc tout n'est pas perdu. Non, tout n'est pas perdu. Non. Vous savez quoi? Moi, je crois que vous êtes Capricorne. Ouais. Vous êtes un vrai Capricorne. Moi, je suis Capricorne. C'est ce qu'on m'a dit. François Hardy est Capricorne. Les Capricornes sont des gens qui ont une jeunesse comme nous, ça. On va aller. Les Capricornes sont des gens, Benjamin, qui ont une jeunesse très tourmentée. Et vous verrez. Il y a des béliers, sinon. En vieillis... Bientôt l'anniversaire, représente. En vieillissant, le Capricorne devient plus sage. Vous verrez, ça s'arrange. C'est le seul signe dont la vie s'arrange en vieillissant. J'espère, T'es Capricorne, toi? Malheureusement, non. Ah ouais, c'est dommage pour toi. T'es Capricorne, toi? Ah bah, vous n'avez pas de peau. On est foutu. Parce que le Capricorne, en vieillissant, devient super cool, zen et tout. Mais au début, c'est dur, c'est vrai. Au début, c'est pas facile. C'est les 50 premières années qui sont difficiles. Voilà. Mais c'est vrai, c'est exactement les 50 premières années qui sont difficiles pour les Capricornes, absolument. Laurent, j'en suis aussi la preuve. Bien et sûr. Benjamin, vous en êtes loin de 50 ans, vous avez encore quelques années de souffrance. Mais vous verrez, vous serez plus sage en vieillissant. Voilà, sur ce, on va maintenant accueillir... Sur ce, on va écouter un titre de son nouvel album. Que ce n'était pas ma vraie maison. J'ai su passer.
Benjamin Biolay, l'histoire d'un garçon, extrait de son nouvel album à l'origine. Alors on va regarder le PK. Le PK, vous allez regarder votre caméra, vous allez dire Magnéto Serge et le PK va démarrer. Vous allez voir, c'est magique. Il faut que je dise Magnéto Serge. Ouais, en regardant votre caméra, Benjamin. Laquelle, ah, Magnéto Serge. Ouais. C'est fait. Ah ouais. Magnéto Serge. Ah, c'est mieux. Bon. C'est communicatif. Hein. Benjamin Biolay à l'origine, son nouvel album. Alors voilà. Non mais c'est vrai que c'est très nerveux, très énervé, beaucoup plus rock'n'roll, beaucoup plus... Ça tourne bien. Agressif. Ouais. C'est plus spontané en fait. Ouais, vous en aviez marre du côté comme arrête, ça. Arrête. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Non mais marre du côté le mec, le jeune mec un peu dandy qui réussit tout, qui est marié avec Chiara Mastroianni. Ça j'en avais pas marre. Hein. Non. Non. Mais oui, de quelques clichés inhérents à, la, ouais. à l'activité. Hein. Vous avez décidé de reprendre votre liberté, quoi, oui. Ouais, enfin, j'avais envie de faire ce qui me plaît, ouais. Parce que c'était pas quelques mauvaises critiques de me dicter, c'est pas eux les réalisateurs de l'album, c'est moi, en plus que ça. Mais c'est un peu un raccourci, c'est-à-dire que j'en avais marre des mauvaises critiques. Les mauvaises critiques, strictement musicales, il faut les accepter et tout, parce que... Ouais. Moi, il y a des trucs qui sont super, que je déteste, etc. Mais dès que ça tapait un peu genre la mèche, voilà, la belle famille et tout, je trouvais que c'était franchement déplacé au bout d'un moment. De plus, Chiara a toujours eu bonne presse, par exemple, pour ses mérités, parce que c'était une bonne actrice. Et là, elle s'est fait chier dessus, comme c'est pas permis. Et c'est moi qui l'invitais au bal de merde. Là, j'étais moyennement... Vous en aviez marre, quoi. Bah ouais, j'étais gêné, j'en avais marre. J'en ai marre. Ouais. Mais là, ça va, là. T'en as marre, à l'instant, là, ouais, ça va, à l'instant, là, ça va. Ouais. Bon, on va faire une interview. D'accord. Comment ça va? Alors, Benjamin, à quelle musique êtes-vous allergique? Au jazz rock. Ah oui. Ouais, Stepshead, tous les machins que les musiciens écoutent. Ça, vous en avez marre, ça. Ils accueillent la semaine prochaine. Ça, j'en ai marre, par exemple. Ouais. Merci pour eux. Ils sont séparés depuis 87. Alors, ils se ressoudent, là. T'en as vraiment marre. Hein. Benjamin, qu'est-ce qui vous donne mal à la tête dans ce qu'on entend à la radio en ce moment? Les infos sur la mort du pape, là, au bout d'un moment, il est mort. Il est mort? C'est trop pour vous? Ah bah oui, parce qu'il a été tellement sujet de controverse, tellement manichéenne, que d'un coup, le voir béatifié en... L'idolatrie, comme ça, ça vous... ridicule. Vous en avez marre? Non, non. Non, 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 mais bon. Non, non, excuse-moi, Laurent. J'en ai marre. Ça va pas okay, okay, ok, 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 bien. Qu'est-ce qui vous fait vomir dans la chanson française? Dans la chanson française actuelle? Ouais. Merde. Donc des gens vivants. Ouais. Que je peux rencontrer donc après l'émission. De toute façon, vous avez dit de toute façon que Delerm et Benabar, c'était des frustrés. Voilà, parce qu'ils m'avaient chié dessus au préalable. Ouais. Quel chanteur vous donne des boutons? Ouais, il y a un groupe qui s'appelle Glorious, là, qui chante la mémoire. Ouais, eux, ils me font trois puceaux qui chantent Jésus. Qu'est-ce que t'as contre les puceaux? Bravo, c'est d'un goût, t'as pris un bon pif, toi. On est marre, bah oui, trop tard. Il y a quand même... Moi, je vais dire un truc. On a connu Benjamin, c'est vrai, un peu la mèche, dandy, comme ça et tout. Là, il revient, je vais te le dire, je sais pas ce qu'il a... Il est sur les nerfs, je sais pas ce qu'il a... Il en a marre. Il a arrêté le pétard, mon ami. Il a arrêté le pétard. Vous avez arrêté le pétard? Non, j'arrive pas. Benjamin, la dernière fois que votre cœur s'est arrêté de battre, c'était pour qui? Pour Chiara. Chiara. Et depuis Et pour rien. Anna, mais si, forcément, pour ma fille. Ouais, et depuis rien. Bah, c'est déjà pas mal. Attendez, tant mieux, on s'en réjouit. La dernière fois que vous avez eu la fièvre, c'était pourquoi? C'est la grande épopée des Chicago Bulls, et tout ça me rendait dingue. Qu'est-ce que vous prenez comme excitant dans la vie? Je sais pas, la vodka, de temps en temps. La vodka? Ça m'excite. Qu'est-ce qui vous rend malade quand vous venez à la télé?
Je suis plus malade physiquement, c'est déjà un grand truc. Vous avez l'air vachement mieux qu'avant, là. Bah, je vomis plus, par exemple. C'est marrant. J'ai pas sali les loges, là. Non, non, mais c'est sûr. Hein. Vous avez l'air mieux. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je sais pas. Le temps qui passe. C'est votre rébellion, peut-être, là, peut-être. Non hein? Il a l'air d'avoir grandi, Benjamin. Bah non. Si, si. Non, mais j'ai un peu vous moins quel peur, âge, maintenant? Bah, j'ai 32 ans. Ah bah oui. Bah, ouais. Bah, il faut dire, vous êtes un... C'est un grand garçon, maintenant, Benjamin. Demande-lui s'il a des poils. Vas-y, vas-y. Benjamin Biolay, son nouvel album s'appelle « À l'origine ». Il est bien l'album. Ça tourne bien. Et maintenant... Voici Amadou et Mariam. Bonsoir, bienvenue parmi nous. Bonsoir Amadou. Bonsoir. Bonsoir Mariam. Bonsoir, bonsoir. Je pense à toi, 1998, depuis beaucoup de fidèles. M, par exemple, qui vous a pris en première partie de son spectacle à Bercy. Oui, oui. Manu Chao, qui a produit votre dernier album et qui chante et qui joue avec vous. Alors, ce dernier album s'appelle Dimanche à Bamako. Mm-hmm. Il vous a valu une victoire de la musique dans la catégorie Reggae Raga World pour les 20e victoires de la musique. Voilà. Amadou et Mariam, la réalité. Alors, il faudrait que vous disiez tous les deux en même temps Magnéto Serge. À mon signal. Voilà. Un, deux, trois, Magnéto Serge. Magnéto Serge. Bravo. Amadou et Mariam, extrait de Dimanche à Bamako, réalisé par et avec Manu Chao. Voilà. Alors votre musique, c'est du blues finalement, non? Ah oui, c'est du blues. Parce que notre musique a des liens avec le blues. Et puis on a beaucoup écouté aussi le blues. Il y a le blues, il y a le rock, il y a le malien, le bambara là-dedans. Ouais. Oui. C'est vrai que le blues est né au Mali? Oui, oui. Nous pensons bien. Ouais. Alors vous avez un fils qui s'appelle Sam, et alors lui il fait du hip-hop engagé. Hein. Lui il fait pas du blues, lui. Hein. Non. Il fait les rap, ouais. Ouais. Alors vous êtes ensemble depuis 25 ans. Mm-hmm. Vous êtes rencontrés à l'Institut des jeunes aveugles du Mali. Mm-hmm. Vous, Mariam, vous êtes devenue aveugle à l'âge de 6 ans, oui, suite à une rougeole mal soignée. Mm-hmm. Et vous, Amadou, vous avez une cataracte pendant votre adolescence. Hein. Ça, oui. Et vous vous êtes rencontrés. Et comment vous vous êtes trouvés tous les deux? Comment ça s'est passé, cette rencontre? Moi, j'étais élève là-bas. Ouais. Et donc, il est parti me trouver là-bas. On s'est donné la main. C'est comme ça, c'est parti. Mais quand je partais là-bas, il était aussi à l'Institut. Bon, on s'est bien parlé, on a parlé musique. Et finalement, j'ai senti que sa voix, elle était bien. Et puis finalement, qu'on allait faire pas mal de choses ensemble. Tu sais, ouais, que toujours, c'est les hommes qui font les premiers pas.
Ah oui. Voilà. En tous les cas, ça a bien marché. Alors, j'ai envie de raconter une vanne de Ray Charles que je trouve géniale et tout à fait appropriée. Mm-hmm. Un jour, on demandait à Ray Charles si ça l'emmerdait d'être aveugle. Mm-hmm. Et il a dit, ça aurait pu être pire, j'aurais pu être noir. Ah ouais, parce qu'il ne voyait pas. Tu l'as, là-bas? Tu l'as, non? Alors, on va faire une interview où je suis moi-même dans la même situation que vous. On va faire une interview, yeux bandés, voilà, sans plus, sans rien. Et les gens chez eux peuvent fermer les yeux aussi. Hein. Oh là là, pour lire les, pour lire les fiches, c'est pas pratique du tout, là. Et ton ado, il est où ton cheval? Attends, comment je fais pour savoir si je suis devant la bonne caméra, là, voilà. Ça va, Serge? Un cavalier. Alors, qu'est-ce qui est le plus important, Amadou et Mariam, quand on devient non-voyant, qu'est-ce qui est le plus important dans, est-ce qu'il faut se méfier? De quoi faut-il se méfier? Il faut être beaucoup prudent. Il faut bien se concentrer. Ouais. Ah oui. Il faut être beaucoup prudent. Laurent, fais gaffe, si tu fais des conneries, je te verrai au montage. Oh merde, j'ai pas pensé. Je te niquerai la gueule. Oh, je suis désolé, j'ai pas pensé au montage. On n'est pas en direct? Est-ce qu'on est plus sensible au bruit? Oui, beaucoup. Aux odeurs? Oui, beaucoup, c'est ça. Aussi. Bien sûr, les odeurs, quand on passe devant une boulangerie, on sent le pain. Attends, là, tu t'en sors bien. Ouais. Le parfum aussi. Est-ce qu'on arrive à mieux se concentrer sur la musique? Ah, bien sûr. Alors, Gilbert Montagné, c'est le contre-exemple, alors. Ah bon? Comment vous faites quand vous regardez la télé ou quand vous allez au cinéma? Ça, c'est possible? Oh oui, c'est possible. On écoute. Bon, avec l'oreille, on comprend beaucoup de choses. Ouais. Donc, on suit attentivement. Il peut y avoir des explications. De la souvent part les gens nous expliquent ce qui se passe. Effectivement, oui. Mm-hmm. Donc on roule comme ça. Mm. Ouais, remarquez, c'est pas mal d'être aveugle parce que c'est le bon côté, comme ça je vois pas la tenue de Christine de Viejoncourt. C'est là la tenue. Merci, non mais c'est quoi ça la tenue? Thierry, tu peux me signer un chèque de retard que tu devais... Mais il n'y a pas de problème, Laurent. Et c'est quoi qui est le plus gênant, Amadou et Mariam, au quotidien? Ce qui est le plus gênant? Ouais. Au quotidien. À la maison, il n'y a pas beaucoup de choses qui soient gênantes. Parce qu'on ne peut pas marcher seul. Dehors. Sinon, à la maison. Sinon, à la maison, ça va. Oui. À la maison, il n'y a pas de problème. Non. Et puis, on ne peut pas conduire la voiture aussi. Red Charles, il l'a fait dans une pub. Oui. Pareil, mais bon. Dans une pub. Qu'est-ce que vous avez en plus que les voyants n'ont pas? L'attention. On prête beaucoup attention. Oui. Et c'est quoi l'image dont vous vous souvenez le mieux avant d'avoir été aveugle? Ah, et beaucoup. Mon dernier film que j'ai vu, c'était le film Le Fantomas perché sur l'arbre. Ouais. Oui. Si un jour vous pouviez retrouver la vue, vous aimeriez revoir quoi? Fantomas 2. La suite. On voudrait voir tout, oui. Il ne faut pas voir une seule chose, il faut voir tout. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez des couleurs? Ah, bien sûr. Oui, oui. C'est très important parce que ça aide à fixer l'esprit, c'est parce que vous avez les références. Les aveugles de naissance n'ont pas la référence. Ouais. Effectivement, oui, bien sûr. Oui. Et c'est comment expliquer une couleur à un aveugle? Ah, ça, c'est qui n'a jamais vu, donc c'est difficile à expliquer. Ce serait des mots. Nous, on a vu avant. Alors, quel avantage, c'est quand on est en couple comme ça, c'est qu'on ne voit pas l'autre vieillir, finalement. Oh, oui. Si, c'est touché. Oui. L'avantage, c'est que c'est comme ça, on est ensemble, on s'est dit on est ensemble et c'est tout. Ouais. Ce qui est super, c'est que sa femme est très belle et il aurait pu épouser une moche. Et il a quand même de la chance. Merci. Quand vous faites l'amour, vous gardez la lumière allumée ou vous éteignez? La lumière. Bonne question, on éteint. Comme tous les autres, on n'a pas besoin de lumière. Éteignez, on n'a pas besoin de lumière, on éteint. Il casse ses ampoules, il s'en fout. Ah ouais. Bien, alors là, merci, je vais essayer de lancer le bon sampleur. Tu veux un labrador? Bon, tant pis, j'appuie n'importe où. C'est
merci. Amadou et Marianne, dimanche à Bamako, réalisé par et avec Manu Chao. On passe au blind test. J'accueille RLP, mes enfants, RLP. Et pour jouer avec nous, j'accueille Sandro, Toff, Michael et Jack. Qui est Sandro? Ah bah c'est le trans. Ah ouais, c'est un garçon, hein. Tu devrais t'appeler Sandra, tu sais ça. Ouais, je m'appelle Sandra, mais c'est eux qui me forcent. Ah ouais, c'est eux qui te forcent, une faute d'orthographe, t'es au courant. Sandro, Toff. Alors Toff c'est lui. Toff c'est lui, Michael. Michael c'est moi. Ouais, et Jack. Et Jack derrière, le plus. Et Jack derrière, yes. Salut Jack, vous êtes debout. Oui, Aurel. Et il n'y a pas assez de place. On avait promis de la place, il n'y en a plus, mais c'est laisse pas grave. Tomber. Alors, vous présentez l'émission Sans Interdit sur Énergie du lundi au vendredi de 21h à minuit. Pourquoi je devrais écouter cette émission? Parce qu'elle est meilleure que les autres. Ah, c'est bien ça? C'est bon? J'ai une carrière? Non, pourquoi elle est meilleure que les autres? Parce qu'on parle de trucs qui sont beaucoup plus intelligents que les autres. Ah! Ah, ah, voilà. Genre quoi? De cul. Ah! Vous aimez bien le cul, pareil? Mais intelligemment. Toujours bien, intelligemment. Ouais. Bah, disons que j'ai rien contre, quoi. C'est bon, c'est des vrais, c'est bon. On est obligé de vérifier. Donc elle est bien cette émission? Oui, elle est bien, oui. Mais on aimerait bien qu'il y ait encore plus de monde qui écoute, donc c'est vrai que c'est pas mal. Ça marche quand même, là. Mais écoute, ouais, pour l'instant, ça se passe plutôt bien, ouais. Bon, et au blind test, vous croyez que vous allez y arriver? Écoute, normalement, ça devrait... On s'est un peu entraîné, là. Bon, le problème, c'est qu'on espérait la mettre en face. Malheureusement, il n'y a pas de place pour plus. On pensait handicaper ma fille, on s'est fait avoir. Mais non, d'abord, alors, vous savez le principe, hein, on va commencer par jouer par équipe. Donc vous êtes dans l'équipe de Amadou et Mariam. Tout à fait. Et puis, effectivement, contre l'équipe de Laurent Baffy. Eh ben, ça va être joli. Non, de Christine. On va recommencer. La tienne. Donc on va jouer par équipe. Vous êtes dans l'équipe de Amadou et Mariam contre l'équipe de Christine de Viejoncourt. La mienne, la mienne. Non, Laurent. On commence. T'es prêt, vas-y, LP? Vas-y, moi, je suis prêt. Alors, vous connaissez le principe. Je veux le nom de ou des interprètes. Hein. Allons-y, RLP. Numéro 2, RLP. Donna Summer. Ça a été dit ici. Voilà, je pense voilà. Que vous pouvez pardonner le point. Un point pour l'équipe de Amadou Maria. Qui c'est qui fait où? Donna Summer. Attention, un point partout, tout va bien, RLP. Maringue. Non. Non. En Broadway. S'il y a soufflage, il y a perdage. Personne sait. Dans le public, quelqu'un sait. Comment son gros Stevie Wonder? Non. Ah, me dites pas que personne trouve. J'adore quand personne trouve. Ouais. Personne ne sait. George Benson. Alors. 0 points. Attention à toi. Facile, facile, facile. Chut, pas de soufflage. Ah, facile. On l'écoute un peu, on l'écoute un peu.
chute un peu, c'est bon ça. Il est mignon l'enfant, il dit oui, Dave oui. Stewart. Ah, oui, c'est vrai. Charmant. Oh, là, là. C'est charmant. Il est petit encore. C'est vrai. À toi, RLP. Jadé. Comment va-t-il? Smooth Operator. Quatre pour l'équipe de Christine de Viejoncourt, un pour les... Alors... Ah non, mais Amadou et Mariam, qu'est-ce que vous faites, enfin? On connaît ça, on connaît ça. Il faut vous concentrer, là. Attention, RLP. C'est là. Qui? Non. SB Devotion. Oui, mais le nom de... C'est là, SB Devotion. Non, 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 non. Ah si! Si, si, pardon. Pardon. Bon ben, Sheila et Bee Devotion, tu as raison. Bravo. Et le morceau s'appelle Spacer. Bravo Laurent. Bravo Laurent. Hey, Christine, heureusement que tu l'as là. Oh bah ben là, oui. Là, qu'est-ce que je l'aime. Là, il rend service. C'est dommage hein, qu'on ouais. l'ait pas, nous, par contre. Ce soir, c'est terrible. Ajaro. Non. Jackson 5. Ben oui, Sandro. Bravo Sandro. Jackson 5. Bon, eh ben, ça remonte un peu. On continue, RLP. Oula, George Michael. Bon, bravo. Benjamin Biolay. George Michael. C'est ta cam, ça, hein? Non, mec, tu trouves rien, là. Hein? Ouais, ouais. On ne connaît pas les douches, peut-être. Ne fais pas trop, elle, oh. fais pas trop chier. Ne ouais. fais pas trop chier non plus, tu vois. C'est de la gonflette, tout non, truqué. Tu connais, Laurent. Tout est truqué, c'est un baltrin. Il est champion du monde de boxe, arrête de le faire chier, Laurent, je te jure. D'accord, oui. À toi. That was a man, get up and do my best. I want to get into it, man. Sex machine. Ah là 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 là, c'est qui là? Sex machine, c'est nous. C'est ma fille. Je suis désolé, Marianne. Je suis désolé. Attention, numéro 11. Doug Jones. Ouais. Incroyable, ma fille, mais tu ouais. fais excellent là, vraiment, là tu es magique. Bien, maintenant nous passons à la série des bancos, super bancos, méga bancos, il n'y a donc plus d'équipe, c'est chacun pour sa gueule, voilà. Ce qui va arranger Jean-Marc. Ça te va bien. Je comptais sur Laurent. Ben, tu peux plus compter sur Laurent. Allons-y, RLP, le banco. Prince. Ouais, Tony Wayne. Prince, sexy motherfucker. You sexy motherfucker. Benjamin. Ouais. Sexy motherfucker. Le
Le banco remporté par Benjamin Biolay, le super banco. Nous allons voir à toi, RLP. Très dur. Unmac à Unmac. Non. Level partito. UB40. Harry Nilsson, non. C'est Hot Chocolate. Bravo! Bravo! Non, non, la bouche! Hot Chocolate! Non, mais viens avec nous, viens avec nous! Faut demander son nom, Méline! Faut demander son nom, l'écrire sur l'ardoise, bravo! Hot Chocolate! Qu'est-ce qu'il est bien ce morceau là, d'un coup je me dis je vais l'écouter ça, tiens. Ouais. Et maintenant, mesdames, messieurs, nous arrivons au méga banco. Celui ou celle qui va remporter le méga banco sera le king ou la queen de cette soirée. Allons-y, RLP. Ça ne te fait pas. Bravo! Sultan Pepa, quel est ton prénom? Jack. Bravo Jack. Jack d'énergie. L'émission sans interdit. Bravo. Tu es donc le king de la soirée. Tu n'es pas venu pour rien. Voilà, on a sauvé l'honneur. Allez, oui. Sultan Pepa, c'est un truc des années 80. On passait ça dans Lunettes Noires pour Nuit Blanche. J'étais né ou pas? Je sais plus. Ouais. Là, limite. Et elles ont fait une reprise de Twist and Shout aussi. Vous devriez l'écouter, les enfants. On va la mettre. Voilà, lundi soir. À moi. Voilà. Lundi soir, pas de problème. En mémoire de l'émission. Eh bien, c'était Tout le monde en parle, Laurent, non? Ouais, il faut refaire Bruce Willis, on me dit. Je sais. Il revient. On l'attend. C'était Tout le monde en parle avec Laurent Baffy, Bruce Willis et Florence Siri pour le film Otage de Florence Siri, sorti le 27 avril. Christine Scott Thomas pour Man to Man de Régis Varnier avec Christine Scott Thomas et Joseph Fins. Emmanuel Béard et Patrick Timsit pour Un fil à la patte de Michel Deville, sorti le 27 avril, plus la bande originale Un fil à la patte. Patrick Timsit, le DVD Radio Timsit, sorti 19 avril. Avi Pastner, porte-parole de l'État d'Israël, Les secrets d'un diplomate, aux éditions du Rocher. Christine Devier-Joncourt, Ma chère Christine, Corruption, une affaire d'État, aux éditions du Rocher. Jean-Marc Mormec, champion du monde, bravo. À bientôt. Agnès Bastien-Thierry, Mon père, le dernier des fusillés, chez Michalon. La Rose Martonne, Il faut tuer De Gaulle, aux éditions du Rocher. Benjamin Biolay, son nouvel album s'appelle À l'origine et le single Histoire d'un garçon. Amadou et Mariam, l'album s'appelle Dimanche à Bamako. Ils sont en tournée le 21 avril au Printemps de Bourges et le 17 mai à la Cigale, le 26 octobre à l'Olympia. Amadou et Mariam, merci. Le DJ du Blind Test s'appelle RLP et son album, vous en entendrez un extrait pendant le générique de fin, voilà. Et au Blind Test, Sandro, Top, Michael et Jack, l'émission sans interdit, du lundi au vendredi, de 21h à 0h, sur Énergie, voilà. Et puis aussi le livre 100 jours, comité de soutien à Florence Ovna et Hussein Hanoun, voilà. C'était Tout le monde en parle, rendez-vous la semaine prochaine, merci.